Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Formidable chemise. Extraordinaire, super ambiance. On est là pour s'éclater. Hein. Il faut que ça pousse. Ouais. Faut que ça avance bien. Hein. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. De faire je sais pas quoi, de mettre des pouces bleus. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire si tu sais mieux que moi. Fais ce qu'il faut pour que ce soit bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, merde, j'ai perdu quoi? Ouais, elle est bien, ma chemise, tout cela. Et pourquoi elles seraient pas bien? Elles sont bien, mes chemises, en général. Elles sont bien, je te le dis. Tu peux me faire confiance. C'était quoi, le pari? Ah, t'avais dit qu'elle serait verte. Ah ben non, elle est pas verte, nananère. Ouais. Donc je rappelle à celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube qu'on s'est dit qu'on le laissait ouvert. Le chat de YouTube, par contre, je n'y interviens pas. Donc je lis, parfois j'arrive à lire ce que tu écris. Mais je n'interviens pas sur sur le chat de notre chaîne YouTube. On s'est dit que si jamais ça merdait, si jamais tu venais insupportable, qu'on fermerait le chat YouTube. Voilà. Par contre, j'interagis avec celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est pas facile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On essaie de faire en tout cas pour que ça marche bien. Et ouais. Donc n'hésite pas, viens discuter, viens causer, viens nous raconter tes trucs. Ne viens pas masquer, ne viens pas te cacher parce que ça sert à rien. Puisque comme t'as compris, tu pourras faire prout peut-être ou caca et puis après ça tu disparaîtras. L'idée en fait de notre bazar, c'est d'abord qu'on échange. Ah. Donc voilà. Et je salue donc The Doberman. Raté Replay. Je sais pas qui c'est. C'est marrant parce qu'ils ont pas de nom, les mecs, sur ce truc-là. Bon, allez, on y va. Tu pourras faire prout, peut-être, ou caca, et puis après ça, tu disparaîtras. L'idée, en fait, de... Bon. À bord, nous avons Kader. Il a 45 ans, il est à 3. Ah, ici présent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Ouais, bonjour. Il y a quelqu'un avant toi? Lucas, 25 ans de Saint-Chamond. Lucas, 25 ans de Saint-Chamond. Et quelle est la troisième personne? C'est Aurélie, du Nord. T'es où dans le Nord, Aurélie? À côté de Lille. Mais dis où t'es, c'est plus simple. Aurélie. À Léquin. À Léquin. Voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir... ça nous cultive. Et t'as quel âge, Aurélie? Aurélie? T'as quel âge? Tu me reçois ou pas? Lucas, il y a un retour. Lucas, il faut que tu baisses ton micro, là, c'est trop fort. Attends, j'enlève. Ouais, coupe le micro. Aurélie, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, t'as quel âge, Aurélie? J'ai 39 ans. 39 ans. Aurélie, 39 ans à l'écart. Ok. Écoutons Lucas à Saint-Chamond et ensuite on va à l'écart. Envoyez Lucas. On m'a offert une petite bouteille de Chianti. Ah. Je sais pas si vous voyez. Ouais, boire en sous, consommer avec modération. Hein. L'alcool, faut l'acheter, mais faut pas le boire. C'est du vin, hein. C'est pas bien fort. Hein. C'est combien c'est? Ah si, 10 degrés et demi quand même. Ah, c'est de l'alcool, quoi. Non, parce... ouais. Ah oui. C'est une bouteille, en fait, on me l'a offert pour me dédommager. Parce que, en fait, j'étais parti... Bah, c'est passé aujourd'hui, en fait. Hein, j'étais passé à... Parce qu'en fait, mon petit cousin a fait tomber son ballon dans un pré. Il y avait un âne, si tu veux.
Mais du coup, j'ai voulu. Tu sais, il avait peur de je veux dire, pas se laisser emmerder par un âne. Enfin, tu vois, ça. J'y suis allé dans le champ et j'ai récupéré le ballon et tout. Lui, il est arrivé, il m'a mordu le mollet. Ça s'est enfoiré, mais il lâchait pas. Hein. J'ai mais tu sais, j'avais mal, il m'avait fait mal au. M'a attrapé, en fait, j'étais en short, donc il a dû voir ma jambe, il m'a niaqué par la jambe, mais par derrière. Les ânes, ils font ça. Moi, il m'a mordu, hein. Il m'a mordu. Tu sais comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir, pour le faire lâcher? Non. Au début, j'ai mis les deux doigts dans le nez, là. J'ai mis les deux doigts dans le nez, j'ai dit, c'est obligé, il va être obligé de respirer à un moment donné, tu vois. J'ai mis les doigts bien profonds dans le nez. Il s'arrêtait pas. Après, j'ai pris mes doigts, je lui ai planté dans les yeux, il m'a lâché. Je suis parti en courant avec le ballon. Je suis allé voir le propriétaire, je lui ai dit, mais attendez, c'est pas normal ça. Je récupère, il m'a mordu votre âne. Il m'a dit, il m'a offert sa bouteille de. Mais alors que tu étais dans une propriété privée. C'est-à-dire que si jamais moi je viens dans le jardin de tes parents, je fais tomber mon ballon dans le jardin de tes parents. Je passe par-dessus la barrière pour récupérer et le Doberman de tes parents me chope un mollet. Je vais chez. Je passe par la porte d'entrée ensuite et j'attaque les gens qui sont obligés de me donner une bouteille de bibine parce que le chien m'a mordu dans leur propriété. Carrément. Ben, mais c'est pas normal. Normalement, il est pas. C'est un âne. Un âne, c'est quand même. Non, mais toi, t'as rien. Qu'est-ce que vous foutiez dans le pré de l'âne, monsieur. Maintenant, l'âne est malade. Donc, au lieu de vous donner une bouteille de Chianti, vous allez me faire un chèque de 250 balles parce que je vais appeler le vétérinaire. Vous l'avez rendu dingue. Ouais. Eh oui. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Bah, si. Normalement. Tu rentres chez quelqu'un. Tu rentres chez le mec. Et tu fais ça en Amérique, tu vas voir, les mecs, ils te mettent un coup de fusil. Et en plus, ils ont raison. Regarde, mec, il a attaqué. Attaqué mon âne, monsieur. Je vous ai vu. Vous avez attaqué mon âne qui s'est défendu. Qu'est-ce que vous foutiez chez moi? Ouais. Bah oui. C'est pas de ma faute si le ballon il est tombé. Puis c'est un gamin, le gamin il voulait récupérer son ballon. Emmenez votre cousin jouer ailleurs que près de ma propriété. Vous avez de la chance parce que normalement j'ai aussi 4 chiens. Extrêmement agressif et un taureau. Aïe. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, qui va là, je te prie. Fabrice, 47 ans, Vincent. Ouais, Fabrice, il faut que tu coupes ton micro quand c'est pas à ton tour parce que c'est infernal le bruit qu'il y a chez toi, mon vieux. Ouais. Il n'y a aucun bruit. Si. Il y en a un bruit. Ah bon enfin, tu... Bon, mais ok, je. Non, mais je. D'accord, si quand tu c'est me pas dis, ton tour. Je te prends. Dis, il n'y a aucun bruit que j'entende. C'est quand même mieux. Non. Je vais. Ah ben, attends. Admettons. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre dans le jardin chez ma mère, il y a un mec qui rentre dans le jardin parce qu'il a fait tomber un ballon, est-ce que moi j'ai le droit de le mordre? Tu peux dire j'ai pas compris, j'ai cru que c'était un. J'ai cru que c'était. Alors t'as pas le droit de le tuer en France, mais je pense que tu vas pouvoir considérer qu'il est sur ta propriété privée. Et donc tu vas pouvoir lui mettre un coup de bâton peut-être. Attention, hein, faut pas qu'il ait trop d'ITT. Hein. Il faut que tu lui mets un coup de bâton et tu t'en mets un à toi aussi. Et tu diras que c'est lui qui a commencé. Que c'est lui qui est venu chez toi et qui t'a frappé. Tu vois? D'accord, même. Du coup, c'est quand même bizarre comme fonctionnement. Tu vois, ça n'a pas de sens. S'il y a un mec qui rentre chez toi là. Ah non. S'il y a un mec qui rentre chez toi là maintenant là. Et chez toi, parce qu'un champ, c'est comme si c'était chez toi. Donc là on est en train de discuter. Il y a un mec qui rentre par la fenêtre chez toi parce qu'il a lancé son ballon dans ton salon. Ok? T'as un chien. Ouais. T'as un chien, le chien l'attaque. Il voit un mec dans la cuisine, alors que toi t'es là dans le salon en train de parler. Le chien l'attaque, crac. Il lui mord le mollet. D'accord? Et le mec te dit, vous me devez une bouteille de Chianti parce que votre chien m'a attaqué. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, vous êtes chez moi.
Puis ah, mais à un moment donné, je veux dire, c'est moi qui ai un peu de correction. Je me dis, le mec, il s'est fait mordre, il est quand même pas bien content parce qu'il n'était pas venu dans un but néfaste. Donc, quelque part, j'ai été agressif avec lui. Ah ouais, tu te dis ça, toi. Moi, si je trouve un mec chez moi, je lui mets un coup de bâton sur la tête. Si jamais, en plus, il m'embête, je lui prends son portefeuille. Tu as le plan ou pas? Ah, ça dépend pourquoi il est venu. Si le mec, effectivement, il a fait tomber son truc sur ton balcon... Je veux même pas savoir pourquoi il est là. S'il veut venir chez moi, il y a une porte et une sonnette. Donc, il sonne. Et il me dit, monsieur, je viens vous voir un truc. Si jamais j'ai un champ avec un âne, il va jusqu'à ma ferme et il me dit, voilà, je suis embêté. J'ai l'impression que votre âne n'a pas du tout l'intention de me laisser prendre mon ballon. Est-ce que je peux aller le chercher? Si le ballon est très loin de l'âne, je saute par-dessus la barrière en courant. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? Ah ben rien, j'essaie de bidouiller Skype en fait. Non mais bidouille pas, pourquoi tu veux bidouiller? On est bien? Je sais pas, ça marche pas, vous entendez pas bien en fait. Ah bon? Parce que nous on t'entend bien. Bon, j'attrape le ballon en courant et je ressaute par-dessus la barrière et je bouge. Si l'âne est trop près, j'y vais pas. On sait jamais. Mais dans aucun cas, je vais réclamer au mec de me donner une bouteille de Chianti. Ils sont vraiment gentils, les gens dans ta région. Hein. Ouais, bah le truc, c'est que bon, le mec, il voulait pas discuter. C'est vrai que le mec était sympa. Hein, t'es dit, écoutez, désolé pour cet incident. Écoutez, je vous offrir une petite bouteille de petite bouteille de pinard. Il m'a offert ça, il m'a dit puis le gamin a récupéré son ballon. Oh. T'es content. Ouais. Mais bon. Pourquoi tout de suite est-ce que tu le referas? Oui, c'est votre faute, tribunal et compagnie. Est-ce que tu le referas? Ah, moi, si jamais c'est mon âne, je te raconte pas. Je te prends tout ce qu'il faut. Le mois d'après, j'en ai quatre des ânes. Je peux m'en acheter trois autres. Avec le pognon que je vais te prendre. Elle saute pas dans mon jardin. Hein. Demande avant de sauter. Tu dis au petit Julien, tu lui dis attends, on va pas chercher ton ballon, on va d'abord demander à qui il est le terrain. Vous dites c'est un monsieur qui a une moto et des lunettes. Non, viens, on va t'acheter un autre ballon. Ah ouais, d'ici là que t'es un prêt et des ânes, à mon avis, hein. Ouais. On sait jamais avec moi, hein. Tu sais, je suis capable de faire des trucs marrants, quoi. ouais, c'est vrai que ça serait pas si surprenant que ça, quoi. Et ouais. Après, qu'est-ce qu'il irait foutre d'un âne? Qu'il irait plutôt acheter des bourrins? Des chevaux, non? Non, plutôt des vaches que des chevaux, moi. Bon, allez. Ah bon? Eh ben ouais. On va écouter Aurélie à l'équin pour voir. À l'équin. L'équin, pardonnez-moi, madame. Mademoiselle. Mais écoute, je connaissais pas ta radio, on vient de m'initier, donc j'écoute un peu tes auditeurs, dire ça. Et la curiosité faisant, je me suis dit pourquoi pas t'appeler. Ouais, t'as eu raison. Tu fais quoi dans la vie, Aurélie? Est-ce que ça se dit? Oui, pourquoi pas. Tu crois? Ouais, je travaille dans une banque. Tu travailles dans une banque? Ben, y en a d'autres, des gens qui travaillent dans des banques qui appellent dans cette émission. Tu vois? On a le droit de travailler dans cette émission, Aurélie, on a le droit de travailler dans une banque. Ça va alors. Ouais, on a le droit de faire. Quasiment tout le monde est accepté. Bon, bah ça va alors. Je te connaissais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand tu étais sur Skyrock, en fait. Hein. Et puis longtemps. Là, on m'a parlé de toi en me disant que tu avais une radio libre, et puis voilà, j'ai écouté ce soir. Bon, ben, c'est bien. Moi, j'espère que tu vas pas t'ennuyer. Hein. Non, écoute, c'est assez hétéroclite, hein, tes appels par rapport à ce que racontent tes auditeurs, etc. Bon, voilà. Bon, tu verras, on s'y engueule ici aussi. Hein. Waouh. T'es un peu énervant hein, parfois comme programme, hein, parce qu'on s'y engueule aussi. Aïe. Là, en fait, c'est assez soft, hein, tes sujets ce soir. J'écoute depuis tout à l'heure quand tu avais Kader qui parlait des aéroports. Après, j'écoute, je sais plus, le jeune homme d'avant, en fait, avec sa bouteille de Chianti. Ouais, mais Lucas, il est gentil. Mais bon, lui, il se bat dans la circulation, je crois. Hein. Hein, c'est ça, Lucas, c'est ça ton truc. Hein. Il considère que les ânes, je sais pas quoi, faut pas être agressif. Par contre,
Si jamais il y a un mec qui lui fait une queue de poisson, il se gare et il se bat, hein, le mec sur le bord de la route. Hein, c'est ça, Lucas? Tu nous as raconté un truc comme ça. Bon, je te vois, t'es en train de manger, on va te laisser... C'est pas vraiment dans ces termes-là, mais bon. Comment ça, c'est pas vraiment dans ces termes-là, c'est quoi? C'est l'histoire de Lucas qui est dans une voiture, derrière quelqu'un qui ne démarre pas au feu. Donc il pousse la voiture qui ne démarre pas au feu, ce qui est donc totalement interdit et incompréhensible. Et comme le mec n'est pas content, il s'arrête sur le bord de la route et il se bat avec lui. C'est pas ça l'histoire? C'est, je me trompe? Il me manque un élément? C'est plus, je n'enlève rien à ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est ça. Mais c'est de la manière dont tu l'as dit, on aurait dit que j'agressais les gens dans la rue. Ce qui n'est pas le cas. Pousser un mec avec ta bagnole et après te battre avec le mec, c'est l'agresser quand même. La victime, en fait, c'est lui, c'est pas toi. Mais c'est pas une question de victime ou de... Si. Il n'y a pas de victime ni de bourreau, c'est-à-dire on se rend compte. Non, il n'y a pas une victime et un bourreau, il y a un agresseur et une victime. Et là, toi, tu es l'agresseur. T'es le mec qui pousse l'autre, qui démarre pas au feu avec son pare-choc. C'est une agression. Ah, mais on était de la même, d'à peu près du même physique, donc il n'y a pas... c'est pas... Bah, comme c'est dit, en fait, on a l'impression qui détermine... que... Non, c'est... non, mais c'est... Lucas, ce qui détermine l'agresseur et la victime, c'est pas la taille. Hein. Tous les soirs, du lundi au vendredi, sans interruption quasiment, depuis le 11 juillet 1997. Ouais, on sait vivre, nous. Hein. On sait vivre, on s'amuse bien. Et ouais, regardez par ici. Là, nous avons Kader, il a 45 ans, il est à 3. Oui. Lucas, 25 ans, il est à Saint-Chamond. Oui. Aurélie, à 39 ans, elle est à Léquin. Salut. Fabrice, à 43 ans, et il est à Vincennes. 47 ans, il est à Vincennes. Très bien. Allez, la main à Fabrice de Vincennes pour voir. Oui, ben aujourd'hui, hôpital de jour, tout s'est bien passé. J'ai appelé Michou pour avoir des nouvelles, mais il va pas très bien. Donc. Attends, on comprend pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux parler dans ton micro? Et t'as appelé Michou? C'est qui Michou? Michou? Oui, Michou, oui. T'as appelé Michou pour lui donner de tes nouvelles? Voilà, non, pour avoir de ses nouvelles, moi ça va bien. Mais il va pas très fort, quoi. Pas très fort, on sent la fatigue dans sa voix, quoi. Ah bon? Ouais, on reste 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'il y a 6 jours sur 7? J'ai pas compris. Il travaille 7 jours sur 7. D'accord. Et c'est fatigant, quoi. Voilà. Ah ouais. Enfin, bon, il aurait une drôle de vie. Mais j'ai toujours pas compris le rapport qu'il y avait entre Michou, donc la star du show business, et toi. De temps en temps, je vais le voir. De temps en temps, tu vas le voir. Il m'aime bien, il me paye un petit café ou un petit verre de vin blanc, et puis voilà. C'est-à-dire que tu vas le voir et c'est lui qui paye. Ah oui, il paye. Ouais, la première fois que je l'ai rencontré, je dis non, je paye pour moi. Fais non, laisse courir. Il y a Mickaël sur le chat de la radio qui dit « Maurice, dans la vidéo, tu vois les amis de Michou éloigner de la main Fabrice et son téléphone. Ah, » apparemment, et lui dire de les laisser tranquilles. C'est-à-dire que tu fais partie des gens qui harcèlent ce monsieur, c'est ça? Non, du tout. Tu as décrété que tu faisais partie de ses amis, c'est ça et, Non, je ne fais pas partie de ses amis, je suis une connaissance, mais même bien. On se voit très rarement. Mais il semblerait qu'il y ait une vidéo qui montre qu'on essaie de t'écarter et quand tu demandes de lui foutre la paix. Ça c'était le photographe. Et puis après, on s'est expliqué et puis il n'y a eu aucun problème. Voilà. D'accord. C'est un peu comme le mec qui m'attendait à Paris à la sortie de mon box là, tous les matins. Genre, j'étais obligé de béquiller pour dire quoi. Et en fait, lui aussi, il venait prendre des nouvelles. Mais il en a eu, par contre. Ça n'a rien à voir. J'adore Michou. Il en a eu, mais après, il a arrêté de venir. Et je ne lui ferai aucun mal. Hein. Il est vraiment extraordinaire.
Bah, je ne crois pas que Michou, ce soit quelqu'un qui soit à même de se défendre s'il est harcelé par, par des gens qui ont décidé qu'ils sont ses amis. Je ne l'ai pas harcelé du tout. Si je l'appelle une fois tous les 3 ou 4 mois, c'est le grand maximum. Il va porter plainte avec ça, alors. Le harcèlement, c'est à partir de 3 à 4 appels par jour. Mais qu'est-ce qui fait que toi, t'as décidé... qu'est-ce qui fait que toi, t'as décidé que t'étais dans les relations de ce monsieur, en fait, qui t'a rien demandé? La première fois que je suis allé le voir, il m'a accueilli, et puis bon, ben, on a discuté, il m'a trouvé intéressant, et puis voilà, il m'a donné son portable, et puis voilà. J'avais même passé un moment son numéro fixe à son appartement, mais je l'appelais pas sur son fixe, je l'ai laissé tranquille, quoi. Bon. Ouais, ouais, très bien. Non, c'est juste que j'imagine la situation dans laquelle se trouve ce monsieur qui est vieux, hein, aujourd'hui, et qui se retrouve face à toi, tes coups de téléphone, à ton amitié, à celle que tu t'es fabriquée, en fait. Non. Dès qu'il me voit dans la rue, il me dit « Fabrice !» Dès qu'il me voit sur Montmartre et que je le vois, c'est... Et on se voit très rarement. Hein. Combien de fois lui il t'a appelé par exemple? Quoi? Combien de fois t'a-t-il appelé chez toi? Zéro. Bon. Moi depuis 4 ans que je le connais, j'ai dû l'appeler 6 fois, 6 ou 7 fois, c'est tout. Ouais. Et lui zéro. Après, il peut pas appeler tout le monde, il a ses affaires à gérer. Il a ses affaires à gérer, quoi, voilà. Toi, est-ce que n'empêche que chaque fois que j'appelle, il répond. Voilà. Ouais, d'accord. Et toi, et Alain Delon, il t'a appelé. et toi, est-ce que tu as des amis est-ce que tu as des amis? Il y a Arnaud, il y a toi. Bon. Il y a Violetta, il y a. On va prendre Violetta. Oui, vas-y. Prenons Violetta. Elle t'a appelé combien de fois? Violetta, elle me fait à peu près une fois tous les 2-3 mois, puis moi c'est pareil. Moi. Voilà. Donc ça, c'est une relation amicale normale. T'appelles tes amis et tes amis t'appellent. À partir du moment où c'est toi qui appelles tes amis tout le temps, tu dois te demander si la personne qui ne te rappelle pas te considère comme un ami. Ben oui, c'est dans la logique des choses. Oui. Donc peut-être que ce monsieur te subit, quoi. Parce que t'as pas de raison d'être ami avec lui. Enfin, tu vois, si on devait être amis avec chacune des personnes qu'on a croisées... J'ai pas compris. Je voulais le rencontrer, je l'ai rencontré, et puis voilà, je lui ai donné mon portable, il m'a donné le sien. Et... Pourquoi est-ce que tu voulais le rencontrer? Parce que c'est une légende, Michou. D'accord, donc tu as décidé... Oui. T'as décidé que tu voulais le rencontrer parce que c'est une légende. Et lui, il ne sait pas comment faire pour cesser donc cette amitié qui ne va que dans un seul sens. Pourquoi il la cesserait alors que chaque fois qu'il me voit, il me fait « Fabrice, venez !» Ouais. Tu étais sûr de ça? Ben oui, je suis sûr, oui. J'ai un faciès facilement reconnaissable, hein, qui sort du commun, donc... Il me reconnaît, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, d'accord. On est d'accord, Maurice. Parce que ça vous fait peur de vous faire... Toi, t'as eu peur, Maurice, quand il y a un mec qui t'a suivi et tout, et qui voulait te rencontrer? Bah, parce que bon, je vois pas où est le problème. C'est pas que t'as peur, c'est que ça fait chier, quoi. Mais parce qu'il y a des moments où tu veux rencontrer... Il y a des moments où nous, on fait, par exemple, l'émission en direct, donc c'est un moment où on décide de se rencontrer. Mais c'est la même chose pour toi. On se téléphone, on se dit tiens, je suis à Saint-Chamond, je t'appelle et je te dis tiens, ça serait bien qu'on se rencontre. Tu me dis ah bah ouais, pourquoi pas, on se rencontre. Si jamais je t'attends au pied de ton immeuble, c'est pas la même chose quand même. Quand tu sors, je viens te voir en disant hey, dis donc, Lucas, tu sais, c'est moi, Maurice, j'ai décidé qu'on allait être amis parce que t'es une légende des coups de fil. Je sais pas comment tu vas le vivre, le truc. C'est vrai que ça serait un peu aberrant quand même de faire ça.
Mais ouais, c'est vrai que les gens comme ça, c'est. Mais le mec, il te suit, il faisait quoi en fait? Il était tous les jours, il était voilà. En bas de la radio, il te parlait pour être suivi. Ça a duré pendant un moment, il essayait de parler à mes voisins, il disait à mes voisins qu'il était une connaissance, un ami, etc. Heureusement que bon, mes voisins, ils me connaissent, ils savent que j'ai pas d'amis qui va harceler les voisins. c'est vrai que c'est grave, hein, le mec il va voir tes voisins, il commence à te faire chier comme ça. Non mais oui, mais là c'est exagéré, bien sûr. Le mec il fait des trucs comme ça, oui, effectivement, c'est exagéré. Donc voilà, je pense c'est comme toi, il y a les jours où tu fêtes ton anniversaire. Tu reçois des gens chez toi, tu fais la fête ou tu vas, je sais pas, dans un bar. Tu reçois des gens, t'es ouvert, tu as envie de discuter. Et puis après, il y a les jours où tu sors de chez toi pour faire ce que t'as à faire. Et là, t'as pas forcément envie que la personne qui a décidé qu'elle était ton amie, qui a cru que tu lui avais dit coucou, que tu lui avais dit que tu l'aimais bien, que cette personne, donc qui est sur le point de se vexer, hein, bien entendu. soit là au milieu de ta vie. Tu vois ? Ouais, je comprends. Bah, tu vois, moi, j'arriverais pas à dire non. Ouais, j'arriverais pas, mais le mec, il dirait, ouais, bah, viens, machin, viens, allez. Tu vois, bon, à part si je pars au boulot ou si. Ben voilà. Comme ça, mais. On imagine que si tu sors de chez toi, c'est que tu vas faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que. Tu vois, il y a peu de chances pour que tu sortes de chez toi en te disant « J'espère que quelqu'un va m'arrêter, qu'on va aller boire un café. » Ouais, c'est vrai que c'est con, c'est évident. Mais ouais, le coup du « tu dois partir au boulot, le mec tient la jambe pendant une heure », ça doit être violent. Quoi. C'est un peu fatigant. Donc j'imagine la situation de Michou, là, parce que... Il y a Fabrice de Vincennes, il doit en avoir d'autres. Maurice, hein. Ouais. Maurice, tu n'as rien imaginé. C'est une connaissance, c'est tout. Quand il me voit ou quand je le vois, voilà, on s'embrasse, on échange de mots et puis c'est tout. Voilà, je sais pas où il habite. Voilà, j'ai pas à l'harceler, j'ai pas à le voir. Enfin, le voir. Ah, c'est vrai que t'exagères, Fabrice, quand même. Hein. C'est pas ça. Moi, je suis pas là à faire des poussettes à des voitures, à des mecs inconnus. Hein, et à choisir qu'il soit dans le même gabarit pour chicorer. Hein. Ah, ça, c'est pour Lucas, là. C'est une tarte à Lucas en direct. Mais. Voilà. Mais l'idée de considérer, de décider que tu vas être ami avec quelqu'un parce que c'est une légende, rien que ça, c'est bizarre, quoi. Comme. On rencontre quelqu'un, et puis après, on se revoit. On rencontre pas les gens en fonction de leur niveau de célébrité, quoi. On rencontre les gens parce que on a des affinités avec eux. J'avais envie de rencontrer Michou, voilà, c'est ça. Quand je suis revenu sur Paris, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je le rencontre, j'aimerais bien. Ça a été faisable, et puis voilà. Ouais. Ouais, d'accord, mais bon. Ok. Écoute. Et toi, Maurice, je te parle bien, tu es une légende de la radio. Pas une légende de la radio, je suis la personne qui te parle, que tu as choisi d'écouter à la radio. Oui, voilà, oui. En fait, t'es un survivant, quoi. Non, je suis pas un survivant. Je suis quelqu'un qui a fait un choix professionnel, personnel, qu'il ne regrette pas, d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça n'a pas de rapport avec ni la légende, ni quoi que ce soit. Ouais. Bon, on va aller écouter Kader à 3. Ah, écoute, je viens de faire une série de vidéos sur Majunga, c'est magnifique. Ah, c'est des beaux endroits, hein. C'est paradisiaque, c'est magnifique. Il y a un hôtel sur le front de mer. Bien envoyé. Non, j'ai dit bien choisi, oui, bah oui. Mais c'est... Non, ah, voilà. C'est... Pour revenir à notre conversation initiale, c'est un très beau pays, Madagascar, dont il faut profiter maintenant. Ah ouais, et puis en plus, j'ai vu les... Il y a un avion sur la route, là, c'est...
C'est... En plus, on dirait les routes, tu vois, sont petites. Il y a plein de tuk-tuk. Tu te déplaces un tuk-tuk là-bas ou comment? Bah, tu peux. Bon, par contre, quand les mecs me voient, ça les fait moins rigoler, hein, parce qu'il y a des côtes. Mais. Mais oui, tu peux te déplacer en tuk-tuk, qui sont des triporteurs Vespa, là, à l'origine, ou Bajaj aujourd'hui, donc plutôt indien. Mais il y a des taxis, il y a tout. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, ça fait, c'est ça aussi, tu vois, là, ça ramène un peu à l'idée qu'on se fait de France, Madagascar, pays pauvre, mais ils ont une archi... enfin, je sais pas, ils ont une structure de la ville qui est faite de manière harmonieuse, je trouve. C'est très bon, qui a été inventée par les Français, puisque c'est une ancienne colonie française, ouais, Madagascar. Colonial, d'ailleurs. C'est très joli, hein. Très très joli. Ah ouais, franchement, t'as bien choisi ton coin. Eh, quand tu rentres en France, tu vas prendre une tarte. Hein. Je dis que l'une des premières, en dehors du côté tropical, le côté qui fait que tu peux aller marcher sur la plage pendant la journée, etc. Et que bon, c'est une vie un peu rock'n'roll, assez zen. C'est surtout le côté, voilà, c'est une ville dans laquelle tu n'es pas pourchassé, une vie dans laquelle tu n'es pas pourchassé par la publicité, par les achats, par les vitrines, par les machins. Et c'est assez reposant, quoi. Ouais, c'est magnifique, quand je vois rien que... En plus, vu du ciel, tu vois, du drone, c'est... Puis en plus, les décors, ces trucs, j'ai jamais imaginé, j'aurais pas pensé. C'est magnifique. Ouais, bah, sinon... Que dire Ouais, Aurélie, on l'a pas trop entendu. Aurélie, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans la radio de Maurice Radio Libre, en fait? Bah, écoute, ce qui m'intéresse, c'est bah, déjà d'écouter vos conversations. C'est sympa. Et d'avoir des points de vue différents sur les choses. Comme là, depuis tout à l'heure, vous parlez de Madagascar, vous parlez de Michou. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc j'ai des points de vue par rapport au voyage. Par rapport aux célébrités, ben, j'ai d'autres points de vue. En fait, moi, de rencontrer les gens célèbres, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien les gens, notamment dans la musique. J'aime bien la musique, mais j'aime bien la musique pour ce qu'elle est. J'aime pas forcément les gens qui font la musique. Écoute la musique, mais t'écoutes pas forcément... Enfin... Un des chanteurs, tout à l'heure, t'as passé Bowie, j'aime bien Bowie, mais jamais de la vie je l'aurais rencontré parce que je sais pas ce que j'aurais eu à lui dire. Aujourd'hui, j'aime bien Bono, mais j'aurais jamais rencontré Bono parce que je sais pas ce que j'ai à lui dire. Donc, c'est assez intéressant d'entendre des gens qui disent bah, moi, je rencontre des célébrités parce que j'avais envie de le rencontrer. Moi, j'ai rien à penses, toi, qu'est-ce que t'en penses, par exemple, de ce qu'il dit Fabrice, là, à propos de Michou? Qu'est-ce que tu penses de. Quand tu entends ça, ça te fait quoi dans la... Ma musique, ah, ça enlève la poussière, hein. Tu t'attendais pas à ça. On se fatigue toute la journée à se demander ce qu'on va te diffuser comme titre. Hein. On a une organisation musicale qui est assez bien ficelée. Et notre envie, c'est de te proposer la musique que tu n'entends pas toute la journée. Voilà. Où que tu sois sur la planète. Tu vois le truc, hein. Le challenge est important. Alors, c'est vrai qu'on écoute aussi... On écoute aussi les autres. On écoute les autres radios. Alors pas les radios en France, parce que les radios en France, mais les radios ailleurs. C'est pas mal ça. Bon. Bon allez. À bord, nous avons Kader, il a 45 ans et il est à 3. Oui. Lucas, 25 ans, à Saint-Chamond. Je suis ici. Aurélie, 39, à Léquin. Je suis là aussi. Fabrice, 47, à Vincennes. À bord présent. La main était à Kader de Troyes. Ouais, je demandais à Aurélie ce que je pensais. Enfin, en fait, je pensais, non, bah, je sais pas, parce que... je voulais peut-être qu'elle me parle un peu, qu'elle dise quelque chose, peut-être que... Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Non, mais tu me disais que tu trouvais pas...
Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de la réaction de par exemple, tiens, de Fabrice, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce que tu te dis? Par rapport à quoi? Ah, par rapport à ce qu'il a dit. Le fait d'aller poursuivre quelqu'un, enfin poursuivre, d'aller à la rencontre. Non, c'est pas poursuivre, c'est qu'en fait, il avait juste envie de rencontrer quelqu'un qui se dit qu'il peut peut-être apprécier. Donc, il a décidé de le rencontrer. Après, c'est courageux de sa part, parce que c'est quand tu décides, toi, de faire un pas vers les gens et de rencontrer les gens, c'est courageux, parce que les gens peuvent t'envoyer balader, les gens peuvent t'envoyer promener et te dire, bah voilà, le gars, il t'a parlé, il a échangé des choses avec lui, c'est toujours intéressant. Mais moi, c'est pas le genre de truc qui me... C'est pas le genre de truc qui m'intéresse, en fait. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Qu'est-ce qui t'intéresse, alors? Eh ben, je sais pas, moi, de rencontrer des gens, mais pas, tu vois, pas de me mettre à porter des gens que je... De me dire, tu vois, ce gars-là, je le vois à la télé... il est peut-être sympa, il m'intéresse peut-être, et puis d'aller vers lui et de dire, de créer une conversation. Enfin, tu rencontres des gens, tu peux rencontrer des gens toute la journée. Regarde, là, on se rencontre. On ne se connaît pas. On discute. Après, tu peux rencontrer des gens dans la rue, tu peux rencontrer des gens dans le travail, tu peux rencontrer des gens en soirée, tu peux rencontrer... mais voilà, après, il faut avoir un... C'est ça qui m'épate depuis tout à l'heure de vous écouter, c'est d'avoir des conversations comme ça, sans but, sans tu cherches rien de particulier et tu échanges avec les gens, c'est ça qui est intéressant. Et d'aller voir un mec... Attends, Aurélie, t'as pas encore vu... T'as pas encore... Là, ça va, c'est... Moi, je trouve que c'est calme, c'est fin de semaine. Il y a des moments où c'est beaucoup plus tendu que ça. Bah, c'est ça, mais c'est le meilleur mot, parce que tout à l'heure, des fois, ça gueule, en fait. Ouais. Pardon ? Bah si, il me disait ça tout à l'heure, il me disait des fois ça gueule, mais des fois ça... Ouais. Après, est-ce que t'es vraiment là pour que ça gueule avec les gens ? Je crois pas, en fait. Non, moi, je suis pas là pour que ça gueule, mais si jamais il faut que ça gueule, ça gueule. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, après, là je suis assez consensuelle, en plus je suis la seule fille, je sais pas si t'as souvent des filles, ou des femmes, ou voilà... La gente féminine en général, mais... Ah, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, donc fille ou pas, tu vois, il fallait... Ou alors, on part sur des trucs de cul, quoi. Ou alors, c'est le sexe. Mais autrement, non, il n'y a pas de... Enfin, je fais pas de césure entre les deux. Ouais, il n'y a pas trop de parité ou il n'y a pas trop de femmes qui veulent parler, là. Il n'y a pas trop de parité. Il y a des gonzesses qui appellent dans l'émission. Ouais, ouais, il y en a. Non, mais je te dis, c'est le premier soir que je t'écoute. Non. Et puis, bah voilà, tu te dis pourquoi pas échanger, pourquoi pas discuter. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, je voudrais dire, j'en profite pour dire à celles et ceux qui essaient de me contacter sur Skype, le mieux, c'est que tu te trouves un pseudo ou un nom et un prénom plutôt que d'avoir une série de chiffres, parce que autrement, nous, on te recontacte pas. Donc, essaie de te trouver, je sais pas quoi, un nom, un prénom ou un pseudo si jamais vraiment t'es super mal dans tes baskets. Super mal à l'aise. Bon, t'es gilet jaune, toi, un peu, Aurélie, ou pas? Alors, par rapport aux gilets jaunes, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait au départ. C'est-à-dire que t'as des mecs qui se réunissent, qui disent « on n'est pas d'accord ». Ils vont descendre dans la rue, ils vont exprimer des choses, ils vont être tous ensemble, ils vont véhiculer quelque chose qui est vraiment sympa, un ras-le-bol. Ils vont échanger les uns les autres. Enfin, le mouvement, quand il part bien. Il part pour quelque chose de vrai. Il part pour quelque chose de fort. Et après, t'as 3-4 mecs là qui commencent à s'ouvrir comme des baltringues en disant « Bah écoute, moi je vais reprendre, hein, moi je vais me prendre parole. » Mais qui peut se porter parole pour moi? Qui a le droit de dire « Moi je vais dire ce que la majorité pense, ce que la majorité dit. » Non, moi je suis pas d'accord. Ça s'est politisé. À partir du moment où ça se politise, c'est plus un mouvement libre. Et ça m'intéresse plus, en fait. Mais là, tu parles de qui, quand tu parles de gens qui essaient de récupérer les mouvements, à qui tu penses? Eh ben, les mecs, là, les gilets jaunes, là, que ce soit la nana là, qui parlait, ou le mec, là, t'en as même un qui a été sur une liste électorale, il me semble. Mais de où il parle pour moi, en fait? Pourquoi il parle pour moi? Je comprends pas, en fait. Pourquoi lui, il serait porte-parole pour tous les autres?
D'accord, c'est-à-dire que... Il n'y a personne qui parle pour moi, en fait. Mais est-ce que de voir les choses comme ça, est-ce que ça ne nous oblige pas à n'imaginer la politique qu'avec une organisation qui ressemble à celle des partis d'aujourd'hui, avec un chef, des lieutenants, Enfin, non, je suis pas d'accord, parce qu'à l'origine, les Gilets jaunes, ça a permis, tu vois, une discussion où des nanas qui étaient seules à élever des gosses, ben, elles ont pu enfin exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer. Des mecs qui étaient au chômage qui ont enfin pu exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Des mecs qui bossaient, mais qui n'avaient pas forcément, qui gagnaient pas bien leur vie, ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient envie d'exprimer. Et d'un seul coup, t'as un mec qui se dit « Oui, ben moi je suis porte-parole de tous ces gars-là » et qui reprend, en fait, à partir du moment où il y a eu des mecs qui ont repris le mouvement pour eux et en disant « Ben moi je vais me porter parole pour ça », ben ça a dégénéré, en fait. Et effectivement, je pense que tu peux avoir des gars qui font une espèce de... Ben, de rassemblement pour avoir des choses à dire sans que ça se hiérarchise. À partir du moment, de toute façon, où ça se hiérarchise et t'as un mec qui se dit ben, « je suis le chef de ça », ça part en cacahuète. Les gens, ils ont envie d'avoir le pouvoir. Ouais. Donc... Le pouvoir par le peuple, ça n'a jamais existé, même au temps des communistes. Il y a mais toujours eu un leader du parti. Mais oui, mais le leader, qu'est-ce qu'ils font quand tu regardes aujourd'hui, ça va être les États comme... je sais pas, moi, regarde l'URSS où t'as encore, l'URSS, la Russie, où t'as encore des trucs où le peuple pour le peuple et tout. Poutine, il en a rien à foutre quand même. Il essaye de véhiculer un discours bien propre pour lui et puis prendre le pouvoir. Les Chinois, c'est pareil. Donc à chaque fois, t'as quand même des mecs qui décident de prendre le pouvoir et de dire le pouvoir, c'est rien que pour moi, comme dans les pays d'Afrique. Et ce sont des patriotes quand même, tu peux pas leur enlever ça. Pas enlever à Poutine d'être un patriote, d'aimer son pays, quoi. Et un patriote de quoi? T'as vu ce qu'il a fait à l'Ukraine? Non, mais si t'es pas d'accord avec moi, tu vas fermer ta gueule et je vais t'écraser. On peut pas faire ça. C'est comme, regarde ce que tu vois en ce moment, là, il y a encore 100 nanas qui ont été. Qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, etc. Enfin. Quand t'es une femme, en fait, tout est beaucoup plus compliqué. Mais en plus, quand t'essayes d'élever ta voix par rapport à d'autres choses, c'est toujours compliqué. Donc moi, je peux comprendre que les mecs, les Gilets jaunes, arrivent à un moment, ils se sont dit, de toute façon, on n'est pas écoutés. On est repris par les partis. C'est pareil, tous les partis ont repris le mouvement des Gilets jaunes. Tous les partis. Mais qu'est-ce qui aurait pu... Sauf La République En Marche. Qu'est-ce qui aurait pu se passer, Aurélie, si jamais les mecs n'avaient pas été repris, donc il n'y a pas de chef. C'était quoi la suite, en fait? Quelle pouvait être la suite? C'est là où ça devient compliqué. Ouais. Comment tu donnes la suite à un tas de mecs qui sont dans la rue? Parce qu'arrivé un moment, moi, je me suis fait arrêter, j'habite dans le Nord. Donc je me suis fait arrêter à plein de ronds-points, en fait, quand tu essayes de discuter avec les mecs, hein, ou les nanas. Hein. Je comprends leur ras-le-bol, mais en fait, avec beaucoup, t'as pas pu non plus discuter parce qu'ils avaient des discours très revendicateurs, quoi. Et tu leur as pas dit. Ouais, tu peux pas me comprendre parce que toi, tu bosses et tu comprends pas ce que je vis au quotidien. Ouais, et tu leur as pas dit. Tu leur as pas dit que tu travailles à la banque, parce que là, ils auraient retourné ta voiture et l'auraient mis sur le toit. Ouais, mais ils ont. Tu vois, c'est là où c'est dégueulasse, parce que je travaille à la banque, alors je peux pas avoir de pensée. Non, mais attends, c'est pas ce que je dis moi. Mais je sais. On est bien d'accord que si jamais t'avais pris, une carte de visite traînée sur un siège de la bagnole, les mecs, ils auraient retourné ta bagnole. Mais je suis désolé, une nana qui bosse dans un guichet d'une banque, elle est smicarde. Non, mais ça fait rien, mais pour les gens. Particulièrement pour ceux qui étaient au rond-point, une nana qui travaille à la banque, c'est une nana qui travaille à la banque. Donc elle représente le capital. Exactement. Donc on est bien d'accord que... C'est une pensée stupide un peu. C'est des gens qui sont bêtes qui pensent comme ça. C'est comme, non, je pense que c'est bien. Si, c'est bête. C'est bête de dire parce que tu travailles à la banque, parce qu'entre un banquier et le mec qui arrive le matin pour faire le ménage, ils travaillent tous les deux au même endroit, mais ils font pas le même boulot. Et tout en sachant que si je suis banquier, en fait, je suis propriétaire de la banque. Donc, franchement, je suis pas banquier. Mais je suis juste employé. Dans... Tout comme ça. Voilà, c'est ça. Je suis juste employé dans une banque. Et à partir du moment où, en fait, il y a un peu un amalgame. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'amalgame.
C'est-à-dire que le gars qui était au rond-point, il gagnait peut-être plus de thunes que moi, mais ouais. Il n'était peut-être pas d'accord, en fait, avec le fait que moi, je travaille dans la banque et je représente le capital, alors que peut-être que lui, il gagnait plus que moi, quoi. Tout à fait. Et, mais toi... Mais c'est justement pour ça que je... Parce que j'écoutais ton discours plutôt bienveillant vis-à-vis des Gilets jaunes, et au fond de toi, tu te rends bien compte qu'il y a quand même ce problème. Alors, tu aurais pu faire partie des gens qui... L'expérience de chacun et de où tu viens et qui est ta famille et comment t'as grandi et qui tu es. Tu vois. Et puis, je veux dire, les gens dans le Nord, en fait, bon, après, je vais pas faire Cosette, hein, c'est pas ça, mais on a quand même un vécu qui est particulier. Les choses sont pas faciles, t'as beaucoup de milieux ouvriers, tu côtoies pas mal de gens qui sont vraiment dans la galère, dans la misère. Mais après, t'as aussi des gens qui ont envie de s'en sortir. Bon, voilà. Et je pense que les gens qui étaient dans la rue au rond-point, ils avaient envie de s'en sortir. Et pour une fois, on les écoutait. D'accord, mais tout en sachant que pour leur parler, il fallait quand même faire partie d'une catégorie particulière, avoir un discours qui leur plaît, ne pas essayer d'échanger réellement avec eux. Et essayer de montrer donc plutôt patte blanche, leur dire il aurait fallu que toi tu te balades avec ton dernier bulletin de salaire sur toi pour leur dire attendez je travaille à la banque mais regardez combien j'ai gagné ce mois-ci. Après il fallait tout simplement que je mette un gilet jaune sur le pare-brise de ma bagnole et je l'ai certainement pas fait. Donc à partir de là ça collait plus, tu vois. Et oui, donc ce mouvement que tu trouvais sympathique tout à l'heure, c'était un mouvement avec qui te mettait quand même en danger tous les jours sur la route. Oui, parce qu'en plus, je fais beaucoup de bagnoles. Donc, tous les jours, en fait, quand tu vois, quand j'arrivais sur un rond-point où je voyais tous les gars qui étaient rassemblés, tu te disais, mais à quelle sauce ils vont manger? Après, j'ai, comme tu vois, la discussion facile. Donc, je vais descendre de ma bagnole et je vais discuter avec les gens. Mais après, selon la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes, les gens te disent, ben, toi, t'as rien à voir avec moi. Oui, enfin, selon aussi le niveau de possibilité de conversation de celui auquel tu t'adresses. Parce que tu peux tomber... Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein, tu peux tomber, il y avait beaucoup de chance, et c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas dit que tu travaillais à la banque, pourtant je n'étais pas avec toi, hein, parce que tu savais qu'il y avait fort pourcentage... Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne dis à personne que je travaille dans la banque, parce que dès que je dis que je travaille dans ce milieu-là, il y en a toujours un pour me faire chier. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, tu vois. Je pense qu'il faut... qu'il n'y a pas de raison pour que tu caches le travail, l'entreprise pour laquelle tu travailles, le secteur dans lequel tu travailles. Il n'y a pas de raison pourquoi toi tu devrais fermer ta gueule. Je vais te donner une anecdote. Et attendez, une année, je pars en vacances, on est tout un groupe en excursion dans la montagne, tu vois. Le guide, il fait le tour de chacun qui il est, d'où il vient, sa profession. Donc chacun, c'était que des profs. Je me suis dit, ouais, il n'y a que des profs. Donc, le gars, il vient à moi, il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui dis ce que je fais. Et il me dit, ah ouais, fais chier, les banquiers, ils m'ont refusé mon prêt. Et en fait, tu as tout un amalgame qui est fait. Depuis ce jour-là, je ne dis plus ce que je fais. Je n'ai pas envie qu'on m'emmerde, en fait. On m'emmerde tous les jours par rapport à mon métier quand je vois mes clients et quand je dis, enfin, les gens viennent me voir et que je leur dis non. Et en fait, quand tu es à l'extérieur, on te classifie, qu'est-ce qu'on te demande dans la vie? Comment tu t'appelles? Où tu habites? Quel âge t'as? Ce que tu fais si tu as des gosses? C'est toujours la même chose. Si tu n'as pas de gosses, on te catégorise dans une classe de population. Par rapport à ton job, on te catégorise dans une autre classe de population. Est-ce qu'en soi, c'est grave, toi? Moi, je m'en fous, ah non, moi, qu'on me casse dans grave, une case, je sais pas quoi, je m'en fous complètement. Si tu acceptes ça, c'est comme les mecs qui sont flics, les gonzesses qui sont flics, c'est pareil, faut pas qu'ils le disent. Moi, j'en connais quelques-uns, j'ai été boire des coups avec des mecs qui sont flics dans Paris, je veux dire, aujourd'hui, les mecs, ils disent, dès que tu dis, mais toi, t'es un keuf, les mecs, disent, ils regardent partout, parce qu'il y a des professions qu'il ne faut pas avoir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pars du principe que... C'est un contrat. Et il y a ça, et puis t'as pas le droit d'avoir de pognon non plus. T'as pas le droit d'avoir de pognon. En France, t'as pas le droit de réussir, parce que...
que tu aies bossé pour avoir ta bagnole ou ta maison, ou que tu n'aies pas bossé, on te classifie dans la même catégorie. Direct tous les soirs du lundi au vendredi. J'adore ce programme. Vraiment. Hein. Je trouve que c'est bien. Parce que ces rencontres nous permettent, comme disait Aurélie d'ailleurs, d'entendre autre chose. Hein. Ouais. Autre chose que ce qu'on t'a demandé de reprendre en boucle. En même temps, en écoutant les interventions diverses et variées, je me rends compte qu'il y a quand même des choses que les gens acceptent. Hein. Aurélie, elle accepte qu'on lui dise de fermer sa gueule parce qu'elle a choisi un travail que certains jalousent. Elle accepte. Les policiers acceptent, lorsqu'ils ne sont pas en service, de fermer leur gueule, de ne pas dire ce qu'ils font comme boulot. Parce que l'agressivité locale l'interdit. C'est la rue qui l'interdit. Ils ont dit non. Ouais. Bon, pour ceux qui écoutent le programme régulièrement, vous savez ce que je pense des gilets jaunes. Ah, je vais pas en remettre une couche là maintenant. Hein. Ouais. À bord, nous avons Kader, il a 45 ans, il est à 3. Oui. Lucas, 25, à Saint-Chamond. Je suis ici. Aurélie, 39, à l'Équin. Aussi. Ah, Fabrice a dû être appelé par... comment il s'appelle par Michou. Ils ont décidé que qu'ils allaient harceler le vieux monsieur. Parce que ils ont choisi, quoi, ils ont décidé. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais dans un parc et qu'il y avait des gens qui avaient décidé qu'ils seraient tes amis. Donc tu descends dans le parc, je sais pas quoi, lire un peu, ou je sais pas, bricoler, regarder les oiseaux. Et là, il y a des mecs qui viennent s'asseoir autour de toi sur le banc parce qu'ils trouvent que comme t'es un personnage qui vient souvent dans le truc, ils ont décidé qu'ils seraient tes amis. C'est fou comme truc, moi je trouve ça fou. Et même quand il y a quelqu'un qui rappelait, donc il y a une vidéo qui tourne où on voit le fameux Fabrice avec un de ses potes qui tourne autour de Michou là. Et il y a quelqu'un qui dit non, laissez-le tranquille, foutez-lui la paix. Et bah pour eux, ça n'existe pas. Hein. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé qu'il faut faire. Ils font leur truc, après ils appellent le mec, ils décident que leur mec te fait coucou. Tu sais, c'est comme les gens qui écoutent mon programme et qui me disent qu'il y a dedans, il y a des messages pour eux. J'en ai plein, hein, des gens qui écrivent des trucs, oui, j'ai compris je sais pas quoi, ou des gens qui disent que j'envoie des motos au pied de leur immeuble. Hein. Là, c'est pareil. Ouais, c'est spé, hein. Mais... quand tu vis plus en France, t'as un regard... d'abord, quand t'es plus en France, t'entends plus parler de la France. Au quotidien. Si tu fais pas la démarche, si moi je fais pas la démarche de m'intéresser à la France, que je sois aux États-Unis ou à Madagascar, j'entends pas parler de la France. Sauf quand il y a un truc horrible. Donc tu prends un peu de... un peu de recul vis-à-vis de ton pays, celui dans lequel tu as grandi et tout ça. Ensuite, lorsque tu reviens en France, tu es choqué par deux choses. C'est le côté paradis. Il y a tout. Il y a tout. Il y a des mecs pour nettoyer les panneaux de circulation, quoi. Imagine, il y a un mec avec un chiffon, même à Saint-Chamond. Il y a un mec à je sais pas quelle heure. Il arrête sa mobilette ou sa camionnette, il passe un petit coup de chiffon sur les panneaux. Ce truc. T'as ça, et le côté tension, le côté l'agressivité en fait, des gens chez nous. C'est vrai que les gens sont agressifs quand même. Extrêmement agressifs. C'est complètement fou.
je comprends pas. C'est-à-dire que c'est un peu ce que racontait Aurélie tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent que ceux-là ils peuvent parler, ceux-là ils peuvent pas parler, et ça existe dans la rue. Et c'est pas comme si c'était juste la télévision de Maritier et Gilbert Carpentier où c'est eux qui décident parce qu'ils sont de cheville avec le mec qui est propriétaire de la chaîne. Donc là, les mecs ils sont chez eux, bon, ils choisissent des gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Là, on est dans la rue, quoi. Il y a des catégories de gens qui peuvent parler. C'est-à-dire qu'en France, si t'as pas de pognon, tu peux parler. Si t'as rien branlé à l'école, si t'as fait des conneries, tu peux parler. Par contre, si t'as réussi tes examens, si t'as bossé, si t'as pris du pognon, là, mon pote, ferme ta gueule, parce que si jamais tu l'ouvres, les autres vont considérer que c'est ceux qui ont pas fait le même parcours que toi, vont considérer que c'est de la provocation, que c'est scandaleux, que c'est pas normal, etc. Mais pourtant, la France, c'est un pays riche. Parce que tous ces pauvres de France, si tu leur disais « Ouais, mais vous êtes dans un pays de merde, un pays de pauvres », ouais, ils diraient « Non, non, la France, c'est ils pensent que c'est la quatrième, aujourd'hui c'est la septième, bientôt la huitième. » Puissance du monde, truc, on est un grand pays, etc. Parce que les pauvres, ils ont envie de dire qu'ils sont pauvres, mais ils veulent pas qu'on dise qu'ils le sont. Les mecs qui ont pas travaillé à l'école, on les connaît, les mecs, ils étaient à l'école avec nous. Ils veulent pas qu'on dise qu'ils n'ont pas travaillé à l'école. Ils sont victimes de ceux qui ont travaillé. Ouais. Si un mec a fait centrale, c'est de sa faute. Si, dans la même classe, il y a des mecs qui regardaient dehors, qui faisaient les cons, c'est de sa faute si ces gens-là n'ont pas fait centrale. Et on les crie, hein. Alors on se dit qu'en ouvrant, tu prends par exemple les mecs qui font des roues arrière dans les banlieues avec des motos sans plaque d'immatriculation. Ces mecs-là, ils vont faire centrale. Ils n'ont pas fait centrale parce qu'il y avait des gens riches. La seule chose, c'est que centrale, c'est comme l'école primaire, en fait. Il faut travailler. C'est con. Mais tu parles de l'univers carcéral, le central. Non, c'est une école, en fait, qui s'appelle centrale. J'aurais pu prendre l'ENA, j'aurais dû prendre l'ENA. C'est très bien que tu me fasses cette remarque, parce que les gens peuvent penser que c'est que ce que je parle de l'univers carcéral. Non, non, pas central, c'est une école. J'aurais pu, oui, j'aurais dû prendre l'ENA, ça passe mieux. L'École Nationale d'Administration. Le problème, c'est que tout ça, c'est ouvert, hein. Parce qu'en France, les études sont pas chères. Les gens essaient de te donner l'impression que s'ils n'ont pas fait d'études, c'est parce que les études étaient chères. Alors que c'est pas vrai. En France, les études sont pas chères. Si tu veux faire des études, tu peux faire des études. Pas comme en Amérique, hein. Waouh. Ouais. Alors qu'est-ce que... c'est quoi la suite, je veux dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on choisisse, quoi. Soit on continue à être ce pays brutal qui détruit les abribus et enrichit donc les multinationales. Parce qu'à chaque fois qu'on casse un abribus, on permet à celui qui les fabrique d'en revendre. Ouais, parce qu'il le fait pas, il le change pas gratuitement. Hein. Ouais. Parfois, il a mis le premier gratuitement. Pas gratuitement. Dans le contrat, il a dit, bon, je mets l'abribus. Par contre, si tu casses les carreaux, si tu arraches le machin, après, je te le vends. Et les gilets jaunes de 2019... Ils ont enrichi, comme on peut pas imaginer, comme eux-mêmes pouvaient pas l'imaginer, les fabricants d'abribus et de radars. Ils ont jamais eu autant de pognon, ces mecs-là. Ils ont jamais eu autant de pognon à se redistribuer pour Noël. Imagine le Noël 2019 des actionnaires des fabricants de radars. Ah, les mecs, ils vont se partager un pognon, mon pote. Grâce à qui ? Grâce aux gilets jaunes, grâce à tous ceux qui passent leur nuit à scier les poteaux. Super.
Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à permettre à la recherche et développement des entreprises qui fabriquent des radars et on permet à Doco de redistribuer de façon phénoménale des dividendes à ses actionnaires. Ou est-ce que on redescend sur Terre et on se dit voilà, maintenant faut bosser quoi, faut travailler. La main à Kader de Troyes. Ouais. Ouais. Oui. Tiens, j'ai un truc. Hein. Bon, aujourd'hui, t'as oublié de préciser, mais fallait-il le faire d'ailleurs, le décès de Mugabe. Eh ouais. Donc toi, t'as visité ce pays-là, t'y es passé? Au Zimbabwe, ouais. Le Zimbabwe, c'est l'ancienne Rhodésie. Et Robert Mugabe, c'est un mec qui était le sauveur du Zimbabwe. Et qui disait des choses, moi, que je trouvais qui étaient assez intéressantes. Hein. Il disait, voilà, l'Afrique n'a pas besoin de l'Occident pour pousser. Il faut créer des universités, il faut créer des entreprises, etc. Et le Zimbabwe est un pays qui n'est pas un pays pauvre. Et puis après, petit à petit, c'est vrai qu'il est devenu un peu brutal. Hein, parce qu'il avait... Il avait la main lourde sur les opposants. Mais il a tourné le dos. Alors les Occidentaux le détestent, hein, parce qu'il leur a tourné le dos. Il a considéré que, voilà, qu'il pouvait faire une Afrique forte, etc. Il fait partie de ceux qui ont fait qu'en 2016, l'Afrique a produit plus d'échanges inter-pays africains qu'entre l'Afrique et les pays extérieurs. C'est des mecs comme ça qui ont dit, voilà, il faut réduire... les coûts de douaniers entre pays limitrophes, etc. Il faut arrêter de se dire qu'on va vendre qu'à l'étranger, donc en Occident, il faut vendre aussi entre pays africains. Donc il a créé ce truc-là, et on le soupçonne d'avoir giflé quelques... d'avoir giflé quelques Occidentaux dont je tairai le nom. Ça y est, Maurice, t'es rentré dans le capital de Doco? Ouais. Je suis rentré. Tu vois ça, Aurélie, ce que vient de dire Maurice, tu prends par exemple la plupart des journaux français, ils te font de Mugabe un tortionnaire, un sanguinaire, un mec qui a pas d'honneur, qui a pas de... Ouais, il était aussi, c'était aussi un salopard, hein, dans une partie de sa vie. Ça a été aussi, oui. Mais pas plus, que, pas que. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il a eu la caresse un peu ferme. Ouais. Bon, je sais pas si on peut en plaisanter trop. Il y a quand même l'armée qui a été le chercher pour lui dire maintenant tu vas être en maison surveillée et tu vas fermer ta gueule aussi. Hein. Oh mais il est mort à Singapour. Ouais, je sais, parce qu'il a été hospitalisé, qu'il était malade, mais juste avant, en fait, quand il a été un peu violent, ils l'ont arrêté quand même. Mais pour venir à JC de Co, moi je pense que ce qui pourrait être pas mal, en fait, c'est d'arrêter toute cette pollution visuelle et nous arrêter de nous faire chier avec toute cette pub, en fait. Ouais. Et au moins, les contribuables français gagneraient un peu de pognon, quoi. Attention, Aurélie. Partout, attention. Des panneaux cubes. Aurélie, attention avec ça. Parce que... Pourquoi? Ben parce que, imaginons que tu dises ça. Tu vas voir Doco, demain, tu vas les voir, tu dis, voilà, bon, c'est moi qui prends les décisions maintenant. Terminez la pub. Hein. Vous m'enlevez toutes ces merdes. Donc là, les mecs vont te dire, attention, madame. Nous avons fourni gratuitement les abribus. Les abribus, ouais. C'est des abris pour prendre le bus. Nous les avons fournis gratuitement en échange de la possibilité de mettre des publicités, de créer un réseau. Si vous nous dites, maintenant vous arrêtez la publicité, il faudra nous payer les abribus. Enfin, payer la location des abribus. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. Oh. Ouais. Et si on enlevait les abribus, en fait? Alors si on enlève les abribus, quand il pleut... Ben, remarque, parce si tu... que dans les bleds tout paumés, en fait, t'as pas un abri de bus, si. Hein, t'as un petit panneau qui dit que le bus 538, va s'arrêter à midi et puis c'est tout. C'est pas vrai, Aurélie. Dans toutes les cambrouses, il y a un abri bus en béton où se retrouvent les jeunes à mobylette en général. C'est le point, si tu veux rencontrer des jeunes à mobylette dans les campagnes, tu cherches l'abri bus, ils sont là, le soir. Ouais, puis t'écoutes, je pense. Je sais pas s'ils m'écoutent, mais en tout cas... En tout cas, attention, parce que, voilà, le deal...
que l'abri de bus, c'est un lien social. Alors, dans les campagnes, c'est en général le point de rencontre des jeunes. Si tu vas dans plein de bleds de France, à 22h le vendredi, à cette heure-ci, t'as des mecs et des gonzesses qui se retrouvent à l'abri de bus. Ceux qui peuvent pas partir en ville, faire je sais pas quoi, ben, ils sortent de chez eux et ils se retrouvent là. C'est le lieu de rencontre qui est abrité. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Ouais. Alors voilà, donc le danger, c'est ça. Si on veut réduire la publicité, comment on pourrait réduire ? C'est bien de parler de ça. Comment est-ce qu'on pourrait... Moi, le harcèlement publicitaire, c'est un truc qui me rend fou. C'est pour ça que je suis très content d'être à Madagascar, parce que je vois pas de publicité. Si, des pubs pour Shoprite. Des magasins qui sont pas très sexy, hein. Dans lesquels... c'est des supérettes, quoi. Ouais, c'est des supérettes, il y en a une. Bon, c'est pas la pub qui t'y envoie, quoi. Mais voilà, moi je suis content d'être là parce qu'effectivement, tu sors, tu te balades en ville, t'as pas ça. En même temps, comment est-ce qu'on peut... imaginons à chez toi, là, à Séclin, on décide d'arrêter la pub. C'est fini. T'es d'accord, on vient de voir, on dit Aurélie, bon, maintenant par contre pour l'abribus, il va falloir un peu casquer, on va monter un peu les impôts locaux, parce que y a l'abribus. Hein. Donc là tu vas être sensible, hein, qu'il y a des mecs qui vont vouloir le casser, là tu vas t'énerver. Je te rappelle que pour que ce programme existe, il faut ton pognon, ton fric, ton argent. Qu'on utilise pour payer la SACEM, l'URSSAF, le matériel, l'électricité, le carburant pour notre bateau, les frais d'amarrage, tout ce qu'il faut pour faire vivre cette radio un peu singulière qui est Maurice Radio Libre. Donc on a une boutique dans laquelle tu vas pouvoir acheter, je crois quoi, des t-shirts, des cartes à jouer. Alors tu peux pas acheter de mug en ce moment parce qu'on a... Ça a été un très gros succès, les mugs, en 2019. On va en faire une nouvelle série, là, bientôt. Mais voilà, quoi. Donc, va dans ce bazar, dépenser ton pognon, puisque l'idée qu'on a eue, c'était de ne pas te harceler avec de la publicité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub de lessive, t'as vu, hein ? On parle comme ça, et soudain, on n'arrête pas pour te dire, ouais, putain... Faut t'acheter de la lessive. Ah, attends, t'as acheté de la lessive. Putain, va acheter de la lessive. Bon, donc les autres le font et c'est très bien. Nous ne le faisons pas parce que nous pensons que ce n'est pas en phase avec notre envie de communiquer avec toi. Mais par contre, on a besoin de fric. Donc va dépenser du pognon, va acheter des trucs. Bon, quand tu vas acheter un produit chez nous. Ne fais pas de comparaison avec les prix, puisque l'idée, le prix des produits permet de financer la radio. Hein. Donc si tu regardes le prix des t-shirts, par exemple, tu as besoin d'un t-shirt, tu trouveras beaucoup moins cher chez au centre Leclerc local que chez Maurice Radio Limon. Bah, tu n'achètes pas un t-shirt chez nous parce que tu as besoin d'un t-shirt. Tu vois ce que je veux dire ? Tu achètes un t-shirt en disant, tiens, j'achète un t-shirt et j'aide la radio. Tu vois le calcul ou pas ? Bon, voilà. Parce qu'il faut du pognon pour le bazar. Bon, et pour payer les salopards et les salopes qui travaillent dans le bazar. Je citais personne. Hein. On se retrouve dans le 10e, comme d'habitude, à l'inspection du... au prud'homme. Je sais. On se retrouve là-bas. Si vous voulez. Mais n'oubliez pas que si on se retrouve là-bas, ça veut dire que vous n'avez plus de boulot. Hein. Pensez à ça. Ouais, c'est difficile. À la radio, trouver du travail en ce moment, c'est difficile. Hein. Bon. Bon, on en est où, là ? Regardez-moi ça. Là. Regardez, on n'est pas bien, là, sans déconner. Non, il n'y a pas de t-shirt Maurice... Maurice Radio Libre au centre Leclerc. Kader a 45 ans, il est à 3. Ouais. Lucas, 25 ans, il est à Saint-Chamond. Ici. Aurélie, à 39 ans, elle est à Léquin. Ça.
La main à Lucas de Saint-Chamond. Tu vois, on parlait de catégoriser les gens, etc. Quand on parlait des gilets jaunes et de la manière dont ils recevraient Aurélie qui travaille à la banque. Je me fais une petite fiche des gens quand j'entends leur voix ou quand je les entends parler. Bah, je t'imagine plutôt brune, châtain clair, les yeux noirs, avec une petite bagnole et tout. Tu vois, c'est genre de petite image qu'on se fait de... J'ai raison ou pas? T'es pas genre du tout. Je suis blonde, grande, avec une grosse bagnole. Hey, j'espère. Hey, t'es comme moi, j'espère, Aurélie. T'aimes le V8 ou pas? Oh, froid, parfois, ça fait une fumée, mon pote. Ouais, mais tu vois, on se fait une image un petit peu de. Bah, moi, c'est facile, j'ai mis ma caméra, donc tout le monde peut me voir. Mais là, on s'imagine le mec, ouais, il doit avoir ce truc et tout. Et quand tu dis, elle travaille à la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des assurances d'essai à des petits vieux. Donc elle les encule quelque part. Donc c'est ça l'image en réalité. Mais non, elle a dit qu'elle travaille. J'encule les petits vieux. Mais non, elle travaille au guichet, elle a dit. Elle travaille. Ah, mais. C'est pas ça que t'as dit? Tu travailles pas au guichet, Orly? Ah non, non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la petite nénette qui travaille au guichet, elle est smithard. J'ai pas dit que. Elle a pas dit qu'elle travaille au guichet. Tu vois, j'ai cru que c'était toi en fait. Et donc peut-être que tu travailles service immobilier de la banque ou rien à voir avec quoi que ce soit. Mais la première image que j'ai, moi je travaille à la banque. Tu vois, moi je vois la gonzesse où, qui travaille chez Groupama ou à la caisse d'épargne et qui charcute, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai. Ah, mais que... je te dis pas le contraire. Hein, mais après, qui charcute ou qui charcute pas, en fait, le truc c'est que ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on est d'abord des commerciaux. Donc on est là pour vendre des trucs, aussi bien que le gars chez Boulanger ou chez Darty qui est là pour vendre sa machine à laver, quoi. Ah ouais, le banquier vend de l'argent, hein. Oui. Exactement. Tout à fait. Et en fait, on vend de l'argent, on vend de l'assurance, on vend des téléphones, on vend... Bon, ça, je suis pas d'accord. C'est scandaleux. On vend des trucs, quoi. Vendez du pognon, en fait, mais... On est pareil que le gars de chez Boulanger. Ouais. À la différence près, c'est que la réalité des services. C'est-à-dire que pourquoi les gens ils en veulent pas à Samsung ou à Windows ou je dis des marques n'importe lesquelles. Ils en veulent aux assurances bagnoles parce que ils payent une assurance et il y a toujours un petit compromis sur le service à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour pas te payer pour faire des trucs qui non. La mettre à l'envers. Mais quoi. Non, Lucas, c'est pas vrai. Quand t'achètes un téléphone, on va pas prendre la marque Samsung. Nous, on est trop petits, on peut pas affronter le procès avec Samsung. Autrement, eux, ils vont nous fermer en deux jours. Mais lorsque t'achètes un téléphone, la garantie, elle est aussi pareille. Quand tu vas, les mecs, ils disent, il est pas tombé. Ben non, il n'est pas tombé, il marche plus. Vous êtes sûr? Alors vous nous l'envoyez, puis après on vous dira s'il est réparable ou pas. Donc ces gens-là, ils te disent pas, envoyez-nous le téléphone, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. C'est la même chose que ton assureur qui te dit, attendez, je comprends pas. Au départ, il y avait déjà deux phares sur votre voiture. Tu dis, ben oui, rappelez-vous, quand j'ai acheté. Ah non, mais non, pour moi, il n'y avait pas de phare sur votre voiture, donc on vous rembourse pas. Mais les mecs qui vendent téléphone, qui vendent des trucs, c'est pareil, qui vendent de l'huile, c'est la même chose. Mais pas vraiment, parce que si tu regardes bien, en réalité, ils vont jouer un peu sur les mots. Ils vont dire, bon, bah, quand vous avez fait votre déclaration, vous n'avez pas été très explicite sur la nature de l'accident, etc. Donc nous, on a noté ça, donc il n'y aura que 60% qui sera dédommagé. Tu vois, ce genre de... Ça, honnêtement, on peut pas jouer les mères Teresa en disant en travaillant pour des entreprises pareilles. C'est-à-dire, t'as fait un choix quand tu travailles pour Groupama et que tu vends des assurances à des gens, leur vendant par exemple les assurances d'essai qui est une couille à 100%. Même les gens de Groupama, ils diront, franchement, moi je la prendrais pas parce que j'aurais un peu l'impression de m'enculer moi-même. Donc finalement, ça, ce sont tes vérités, vieux. Je connais des gonzesses d'ailleurs qui travaillent dans les assurances qui sont très contentes de travailler dans les assurances et qui te disent pas bon, il y a un contrat, faut le lire. Le problème de qu'on a d'ailleurs, nous en général, et on a le même problème avec l'informatique, etc., c'est qu'il y a des conditions générales de vente qui
sont censés normalement nous protéger et nous empêcher la marque de faire n'importe quoi, en général, on ne les lit pas. En bas, on fait OK, d'accord, on est d'accord avec tout. Et puis après, quand le mec, il aspire toutes tes données, là, tu vas gueuler en disant « Ouais, putain, le mec, il aspire mes données. » Le mec, il dit « Mais attends, quand t'as cliqué sur le machin, t'as dit oui, que tu voulais bien. » Donc c'est aussi ton contrat d'assurance. Bien sûr, l'assureur, quand tu vas et que tu dis « Voilà, j'ai cassé les deux phares », il dit « Non, non, prouvez-moi que vous aviez les deux phares au début. » Mais c'est aussi souvent parce que on n'est pas rentré dans le détail des 2000 lignes marquées en petit derrière, où il y a tout prévu. Attention, les jours de grêle, on ne rembourse pas. Si jamais le soleil tape à plus de 37 degrés non plus, etc. Mais c'est... c'est pas... Là, tu es en train de me donner l'aspect théorique des choses. Théoriquement, non. Le mec, il n'est pas dans non, le... Non, l'aspect réel. Ce qu'il fait, c'est pas... L'aspect réel. Le réel, c'est que tu as signé un contrat et qu'il faut lire tout ce qui a marqué et qu'on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'assureur qui sait très bien qui va viser des gens qui parlent pas bien la langue, dit aujourd'hui, tiens, je vais essayer de voir ceux qui parlent, je vais essayer de vendre des assurances, je sais que cette femme, elle est un peu vieille, elle parle pas bien la langue, on va essayer de vendre... Ta signature t'engage. À elle, tu vois. Ta signature t'engage. Si jamais tu vas voir cette dame en lui disant « Non, attendez madame, laissez-moi lire et je vais vous dire si vous signez ou pas », elle va te dire « Écoutez, occupez-vous de vos affaires, je suis assez grande, j'ai 89 ans, toute ma vie je me suis occupé de mes affaires ». Et puis aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de lois qui protègent les consommateurs. Faut arrêter de penser qu'on est là pour arnaquer les petits vieux et les petites vieilles avec les cheveux violets en disant « Ah bah tiens, voilà encore un qui va pas comprendre ce que je vais lui dire et je vais l'entuber ». Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, en fait, t'as de plus en plus de lois qui sont là pour protéger les gens, et heureusement. Et qu'après, putain, chacun il est responsable de ce qu'il décide. T'as plein de gens qui préfèrent aller prendre Internet pour leur téléphone plutôt qu'assurer leur bagnole. Mais chacun fait ses choix et chacun il assume ses choix, en fait. Tu peux pas dire que c'est de la faute d'un assureur ou c'est de la faute de la nana qui te l'a fourré au guichet. À un moment, t'as été bien content de signer ton truc, t'as été bien content de dire « voilà, moi j'ai fait ça » ou bien d'empocher une prime, pareil. Quand, par exemple, ton assurance, elle a bien marché et qu'elle t'a remboursé les frais que t'avais sur ta bagnole, t'étais bien content. Sauf qu'effectivement, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la France, il n'y a jamais personne qui est content et tout le monde gueule tout le temps. Et ouais. Et on se fait... Je veux dire, c'est un bon dos, ça, quand même, parce que au niveau du... Au niveau de dire que, bon... Oui, chacun est responsable de ses actes, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu choisis d'acheter une bagnole et que cette bagnole, tu t'es pas renseigné sur sa solidité, etc., c'est vrai que tu as fait une connerie. Mais on est quand même d'accord que de jouer justement sur le manque de savoir-faire, le manque de connaissances des gens ou de trucs, ça fait partie aussi. Non, c'est la flemme. En général, c'est la flemme. On est en 2019, on n'est pas en 1980. C'est vrai qu'en 1980, bon, les mecs, ils te refourguaient des saloperies. Et puis après, ils te disaient, ah bah oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, on se verra au tribunal. Aujourd'hui, on est rentré dans le détail. Tout est écrit. La seule chose, c'est que c'est fastidieux, qu'on est dans une période dans laquelle... Bon, tout le monde se croit pressé, tout le monde a l'impression qu'il est pressé, donc il n'a pas le temps de lire les contrats qu'il signe. Et donc forcément, ça découle sur des situations qui sont difficiles. Après, il y a aussi des litiges, mais bon, on a des tribunaux et ça se règle au tribunal. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'OQLA, je te prie. Ouais, Thibaut, 28 ans, Orléans. Thibaut, 28 ans, Orléans. Et tu vois, on a les mecs de la Cambrousse qui appellent aussi. Ouais. Allez, la main à Thibaut. Non, mais j'interviens parce que je travaille aussi dans la banque. Donc, ça m'agace un peu d'entendre des propos aussi. En fait, c'est des gens qui parlent, mais qui ne connaissent pas. Justement, comme ils ne connaissent pas, bah, ils se permettent de dire qu'on joue, qu'on profite, que ceci, que cela. Alors que les mecs, je suis sûr, le mec, il a des projets, il n'a jamais rien mis en place pour qu'il puisse arriver. Aurélie, tu t'es trouvé un collègue. Ouais, j'entends ça. Tu t'es trouvé. Mais après. Les collègues banquiers vont. Tu peux pas. Vous allez lui faire rendre gorge. Non, mais je pense qu'un vrai problème, c'est qu'en France, on fait partie des pays qui ont la moins bonne culture financière. Et en fait, comme on n'apprend pas aux gens
À l'école, on leur apprend pas à gérer leur argent, on leur apprend pas ce que c'est que. On leur apprend pas ce que c'est une action, enfin comment ça fonctionne, à quoi ça sert, dans quel objectif. Comme ils ont pas de connaissances, pas de culture financière, bah forcément, les mecs, ils se disent, pour eux, c'est obscur, alors ils se disent, ouais, c'est. Ils essayent de nous arnaquer, c'est des bonimenteurs, alors que. Bah nous, on a nos clients, et l'objectif, c'est de travailler avec nos clients, c'est pas de leur mettre une cacahuète, quoi. Mais non, vous n'avez pas d'objectif de satisfaction de vos clients, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que marche une banque. Je suis mais pas d'accord. Enfin, excuse-moi, mais comment tu peux savoir ce genre de choses? Eh ben dans mon expérience personnelle. J'utilise mes expériences personnelles. Avec je vois à peu près. Je suis déjà rentré dans une banque, j'ai déjà vu le fonctionnement, etc. Il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de recherche de satisfaction, il y a de la recherche de vente. Parce que mais certainement vous avez la pression. Mais tu peux pas dire des choses comme ça aujourd'hui. Toutes les entreprises qui vendent des produits et des services mettent à leurs clients des enquêtes de satisfaction. Et aujourd'hui, tu as une partie sur du quantitatif et sur du qualitatif. Faut arrêter de croire que le seul objectif. Mais c'est vous en foutez des enquêtes. Les enquêtes de satisfaction, tu les reçois. Tu reçois même d'internet quand tu quittes leur abonnement, ils disent êtes-vous satisfait du truc? Tout le monde s'en fout des enquêtes de satisfaction, même les vendeurs ils s'en battent. Tu peux pas dire que on cherche à faire que de la quantité. Si quand on te propose un peu de qualité et enquête de satisfaction, quand on te demande ton avis, tu t'en as rien à faire, tu veux pas le donner. T'es un peu paradoxal dans ton raisonnement. Vous avez un objectif de vente de contrats par jour. Mais mon ami, on est une entreprise. En fait, comme toute entreprise, l'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, tu vois. Donc, notre chiffre d'affaires, ça s'appelle le produit net bancaire. C'est en gros les intérêts qu'on prend par rapport aux intérêts qu'on verse et puis les commissions. Bah, si tu veux que ta banque, parce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est quoi une banque? C'est juste un mec qui est là pour te vendre des trucs. Bon, en fait, non, on est un intermédiaire dans la société. C'est-à-dire que les gens qui déposent de l'argent, nous, ça va nous permettre de le prêter à d'autres, à des mecs qui veulent financer leur maison, à des entreprises qui veulent financer leur économie. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter cette vision un peu étriquée de juste toi dans ton coin et devant ton application avec tes comptes. Enfin, au bout d'un moment, faut que tu prennes un petit peu de hauteur et que tu comprennes comment le système fonctionne, quoi. Je sais très bien que l'argent que je vais déposer à la banque va servir à financer autre chose. Mais moi, je te parle pas du principe général de la banque. Je te parle de toi dans ton travail. Tu as des objectifs de vente. Donc, à un moment donné, si tu as un contrat dans la journée, t'as ton supérieur qui va te taper dessus. Donc, tu peux pas me dire que tu es dans la recherche de satisfaction, tu es dans la recherche d'accomplissement de tes objectifs de vente. Lucas, t'as travaillé dans une entreprise il y a pas longtemps, tu t'es pété le doigt, c'était quoi déjà ça? Moi je fabriquais. Je suis dans le fabriquais des produits qui. Non. Oh, t'as vu, on se fatigue, hein. Musicalement, waouh. Wow. Tu peux y aller, hein. Tu peux tourner le bouton. Tu vas pas trouver ça ailleurs qu'ici. Et c'est bien pour ta culture personnelle. Pas parce que tu vas te mettre à écouter tous les titres qu'on te fait écouter, mais c'est que ça t'ouvre un peu l'esprit. Ça te donne l'impression qu'on n'est pas obligé d'écouter tout ce que tu écoutes dans la journée, ou tout ce que tu vas écouter quand je serai pas là demain soir, par exemple. Hein ? Toutes les musiques qui tournent en rond dans ta tête. C'est bien, non? Et ouais, demain soir, tous sur la péniche. Je rappelle au personnel parisien de Maurice Radio Libre que le bateau Rock Symbol est un outil de travail qui, bien entendu, n'est pas destiné à accueillir les fêtes privées, et que cette entité, donc... Normalement, devrait être fermé ce soir, à la sortie donc de notre inénarrable show. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout plié, normalement à 2h30 maximum, les portes doivent être fermées, le personnel à l'extérieur du bateau. La consommation d'alcool est interdite sur les lieux de travail en France, hein. Donc même si c'est vendredi,
Vous ne pouvez pas rester boire une petite bibine que vous avez dans votre sac. Même si vous pensez que je suis un salopard, un enculé, un je sais pas quoi et que je le saurais pas. Méfiez-vous. Bon, ceci dit, cette mise au point étant faite, je suis ravi que vous travaillez du lundi au vendredi pour cette mission. Et pour cette radio d'ailleurs. Qui vous a permis de partir en vacances, d'avoir pour certains des tickets restaurants. Bon allez, à bord nous avons Kader, il a 45 ans et il est à 3. Oui, je suis là. Lucas a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis là. Aurélie a 39 ans, elle est à l'Équin. Ouais. Thibaut a 28 ans et il est à Orléans. Ouais, je suis là. Bon, donc là c'est... C'est les banquiers contre les autres. Donc Aurélie et Thibaut ont pris en... Ils ont pris en étau, ils ont pris en étau Lucas de Saint-Chamond, ils vont le broyer devant nos yeux. Ils vont lui faire rendre gorge, le faire vomir sur le tapis. Ils le finiront au pied devant nos yeux écarquillés. Est-ce que Kader interviendra pour stopper le massacre? Bon, allez-y Thibaut. Hop, yes. Non, voilà, je pense qu'on devrait donner un peu plus de culture financière à l'école, quoi. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Parce donc, que, voilà, aujourd'hui, tu regardes les retraites. Je sais pas, Guillaume, s'agit pas... de culture financière, Guillaume. Alors, moi, je crois c'est Thibaut, que Thibaut, gens... Thibaut, c'est moi, pas c'est Guillaume. Thibaut, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais par exemple, excuse-moi Kader, je te laisse parler, il n'y a pas de souci, juste termine mon truc. Mais tu vois, par exemple, regarde la retraite aujourd'hui. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on va continuer la retraite par répartition? Est-ce que finalement, on va demander aux gens de mettre un peu plus d'argent de côté ou se constituer un petit peu plus de patrimoine immobilier pour qu'à leur retraite, la douloureuse, elle soit un peu moins douloureuse? Mais tout ça, si on ne l'explique pas, si on ne fait pas de pédagogie, si on n'est pas proactif, j'allais dire, par rapport à tout ça, ouais. Demain, on va dire à nos clients, écoutez, ce serait bien que vous ouvriez par exemple un contrat d'assurance vie pour mettre X euros de côté. Comme ça, votre retraite, vous aurez un pécule et puis voilà. Maintenant, les gens, ils se disent, ouais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, encore, ils veulent me vendre un truc. Moi, ma retraite, c'est bon, je la toucherai, il n'y a pas de souci. Mais sauf que tu ne sais pas comment les choses peuvent évoluer. Donc, c'est plein de choses comme ça, en fait. Je pense qu'il faut faire un peu plus de pédagogie. Voilà. Ouais, ou peut-être renoncer à certains... Lucas, si je peux me permettre... C'est, je pense surtout que c'est avoir conscience de soi qui est, pour moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience des actes et des choses qu'ils font dans la vie. Lucas, il dit, ouais, l'assurance, il est contre les assureurs, contre eux. Mais à ce moment-là, il n'a qu'à pas s'assurer. Puis il comprendra pourquoi tu as besoin d'une assurance. Parce que si tu shootes quelqu'un, ou si tu te fais mal toi-même avec ton véhicule, dans des circonstances que tu n'aurais pas dû avoir, par exemple, en état d'ébriété, par exemple, parce que tu nous as montré ta petite bouteille tout à l'heure. Tu te rendras compte rapidement que quand tu vas à l'hôpital public, par exemple, c'est pas un hôpital où on soigne gratuitement. Une opération, ça a un coût. Donc, c'est surtout la conscience des gestes et des choses que l'on fait. C'est comme disait tout à l'heure Henri, je suis d'accord avec ça, c'est que les gens n'ont pas conscience que c'est toi qui décides, en fait. Tu es quand même quelqu'un. Donc, Lucas représente, en fait, un peu... Enfin, il représente, je ne vais pas prendre Lucas comme ça, mais Lucas dit un peu ce que tout le monde pense en fait en France, c'est-à-dire on fait des choses, ouais c'est pas normal, c'est pas si, mais quand il s'agit de prendre des décisions réellement pour soi, il n'y a plus personne. C'est comme pour la politique, le changement, mais en fait le changement c'est pas pour les gens en fait, le changement c'est pour ceux qui sont là qui vont faire du fric, la vérité elle est là, mais le peuple, le petit peuple là, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout en attendre après l'autorité, et tout en train de la dénigrer alors qu'en réalité c'est lui qui a le pouvoir. C'est ça qui est un peu... C'est pas une question d'argent, moi je pense que c'est une question de savoir qui l'on est et où on vit en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai terminé. Non, moi ce que je pense que il y a des métiers, il y a différents métiers, il y a des métiers de pute un peu quand même. Genre par exemple, le fait de. Non, mais c'est ce que je pense un peu. Je pense que le mec est derrière un téléphone. Après, ça dépend ce que tu vends et tout. Mais il y a quand même des vendeurs qui jouent sur le malentendu, tu vois.
les vendeurs de... Moi, je les appellerais les vendeurs de malentendus et de quiproquos. Ouais. En fait, ils ne vendent rien. Il y a des gens qui vendent... Il y a des vendeurs qui ne vendent rien. C'est ça, le problème. C'est un peu des parfois... Des vendeurs qui ne vendent rien, je comprends pas. Bah, le... il y a certaines assurances qui, que tu payes, mais qui sont un peu une obligation de toute façon. De toute façon, en France... Il n'y a même pas de débat parce que tu es obligé de t'assurer. C'est même pas une question de. Bah attends, tu parles de quelle assurance? Bah non. Tu parles de l'assurance? Bah non. Attendez, tu t'assures surtout. Tu parles de quoi? Tu parles d'assurance automobile? Voiture? Ouais, pardon, ouais, je parlais d'assurance automobile. C'est-à-dire, si tu as une voiture, tu es obligé de t'assurer, tu n'as pas le choix. Bon, et donc. Encore vrai, mon ami, parce que sinon, tu imagines le fric que ça te coûterait, puis ça serait pour ta pomme, hein. Ouais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de oui, bah t'as qu'à pas t'assurer, c'est pas. C'est pas une question en fait, parce que de toute façon tu es obligé de t'assurer, donc il n'y a pas de débat. Il y en a qui roulent sans assurance, Lucas. Il y en a qui roulent sans assurance. Mais le problème, c'est comme ouais, dire mais... Thibaut, bah ouais, mais tu dis, il y a une loi en France. Si on fait des lois, c'est pas pour imposer des assurances, c'est aussi pour te protéger. C'est pas pour vendre des contrats d'assurance, c'est pour te protéger. Oui, mais je suis d'accord, le principe même de. Des assurances, c'est quelque chose de louable, ce sont des commerçants. Tu pars de ce principe, c'est des commerçants. Mais le second truc, la seconde chose, c'est un peu le fait d'avoir de pouvoir assurer quelqu'un en lui faisant payer des taux incroyables, et le jour où il a réellement un problème, de dire bah écoute, d'essayer de jouer justement en frôlant parfois l'illégalité, ce que je reproche souvent aux assureurs et aux commerciaux, à certains commerciaux, parce que les commerciaux en général ça veut rien dire, mais à certains commerciaux, de frôler parfois l'illégalité sur des ventes en essayant de faire avouer des trucs que le mec ce qui n'est pas arrivé, c'est à frôler la fausse déclaration de quelqu'un pour pouvoir l'enculer derrière. Donc c'est souvent... Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien ce que tu racontes. À partir du moment où t'as le consentement de quelqu'un, dans quoi on contourne, je sais pas quoi, par exemple, je comprends rien ce que tu racontes. Je vais donner un exemple, ça sera beaucoup plus explicite. Si par exemple, t'as un assureur et tu reçois un client au téléphone justement parce qu'il a eu un problème avec sa voiture, il a eu un accident. Bon. Le but de la personne qui est en face, c'est d'essayer de... s'il peut ne pas te faire débourser d'argent, c'est ce qu'il va faire. Le but du jeu, c'est de te... Et il va te dire... Mais vous êtes sûr, monsieur, que ça s'est passé dans ces termes? Est-ce que ça s'est pas plutôt passé comme non, ça, etc. T'inventes. En France, il y a le constat amiable. Quand tu as eu un accident, il n'y a pas un mec qui te dit « Alors racontez-moi comment vous avez eu cet accident ». T'envoies ton constat amiable et puis ensuite, si tu as fait les mauvaises croix, si tu n'as pas fait les bonnes croix au bon endroit, si ton croquis n'est pas bon, là, effectivement, tu peux... Parce que c'est de la... ce sont des... Comment je pourrais dire ça? Une espèce de chambre de compensation qu'il y a entre les assureurs. Hein, parce qu'en général, bon, y a l'accident tout seul, on ne parle pas de celui-là, on parle de l'accident de véhicules. En gros, les assurances, elles ne se font pas un chèque, etc. Donc les mecs, ils font des compensations chaque année. Toi, tu me dois tant, etc. Et comme ça, ils font les balances. Maintenant... une fois que tu as, si t'es assuré au tiers, voilà, donc on répare la bagnole de celui dans lequel tu es rentré, si jamais c'est toi qui es en tort, et puis ta voiture, on la répare pas, terminé. Si elle va à la casse, elle part à la casse, si c'est une bricole, ben tu la répares toi-même, etc. Mais il n'y a pas de conversation avec quelqu'un qui va dire, oui, attendez, ok, on vous rembourse ou non, on vous rembourse pas. C'est pas vrai. Alors ensuite, il y a le passage de l'expert automobile qui... normalement et pas de connivence avec les assureurs, donc il va voir il va constater en fait si les déclarations correspondent à ce qui a marqué sur le papier, et puis ensuite il renvoie ça aux assureurs et puis terminé. Mais l'expert, après, il est payé justement par ton assurance, donc effectivement il travaille. Non, il est mandaté, c'est un salarié. Il est mandaté par les assurances, donc ça peut être deux compagnies différentes. Si jamais tu as un accident que toi t'es assuré chez je sais pas quoi, Groupama, et que moi je suis assuré chez AXA, l'expert il est mandaté par les deux assurances qui disent c'est l'expert de la région,
On habite tous les deux à Saint-Chamond, donc c'est l'expert qui s'occupe de la zone de Saint-Chamond qui vient. Terminé. C'est, les experts sont toujours quasiment les mêmes, quoi. Il y en a à Saint-Chamond, dans la région, là, il doit y en avoir 6 et pas un de plus. Ils font les motos, les voitures, les camions, et terminé. C'est des experts automobiles. Puis, je pense aussi, pour être bien couvert, il faut aussi mettre le prix. Parce que les gens, ils vont chercher toujours le moins cher, le moins cher, le moins cher, le moins cher. C'est bien le moins cher, ouais, parce qu'on part du principe que les assureurs, tu vois, ils sont pas honnêtes. Alors, de toute manière, moi, je sais que quoi que je fasse, je vais jamais être remboursé, donc je préfère payer le moins cher. Sauf que tu compares dans la réalité. Enfin, moi, à titre perso, j'ai une assurance qui me coûte un peu cher pour ma voiture. Mais je sais que quand j'ai un problème, un bris de glace, un accident, même si c'est moi, la dernière fois, je me suis encastré dans un mur, j'ai voulu me garer, je me suis viandé tout mon côté gauche. Mais ruiné, ma voiture, ça faisait 2 ans que je l'avais, quoi. J'ai appelé mon assureur, je leur ai dit, voilà, les gars, bah, j'ai ce sinistre-là, qu'est-ce que vous faites? Ouais, on prend en charge, pas de souci. Parce que j'ai pris l'assurance en béton armé, le truc où t'as pas de franchise, où il te couvre tous les risques. Mais par contre, ouais, tu mets un peu plus le prix. Mais faut arrêter de dire que les assureurs, c'est tous des... Et en gros, ils cherchent à prendre le pognon de tes cotisations, mais jamais à te rembourser. C'est pas vrai. Faut juste que tu saches comment tu veux te protéger et si t'en es prêt à mettre le prix ou pas, quoi. Après, tu poses la question de savoir si c'est rentable. C'est-à-dire, si tu prends une assurance touriste sur une bagnole qui vaut le coup, c'est une bagnole que tu as payée assez cher. Après, tu prends des petites bagnoles d'occasion et que tu payes Tôt parfois. Après, Lucas, ensuite, c'est fonction de ton approche. Toi, si je me souviens bien, tu t'es acheté une voiture familiale alors que tu es... que vous êtes deux avec ta gonzesse Aurélie, là, c'est ça, elle s'appelle Aurélie, celle-là aussi. Vous avez 25 balais tous les deux, vous avez une bagnole de grands-parents. Et comme tu voulais une grande bagnole, ben, t'as acheté une grande voiture pas chère, qui vaut pas grand-chose, etc. Donc, alors que t'aurais très bien pu, sans doute pour le même prix, t'acheter une voiture beaucoup plus récente, plus petite, moins truc, et que t'aurais assuré normalement, et qui te rendait sans doute les mêmes services. Et qui consommait moins. Puis après, il faut aussi arrêter. C'est une question de choix. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute de l'autre, bordel. Si tu as décidé d'acheter cette bagnole-là et que l'assurance, elle va en conséquence de ça, c'était ton choix. Quand tu as fait ton budget bagnole, quand tu as regardé quelle bagnole tu voulais acheter, quel prix tu voulais acheter, fallait renseigner aussi au niveau de l'assurance. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute de l'autre. Arrivé un moment, on est grand, on prend ses responsabilités, on achète une bagnole qui coûte cher ou une bagnole sur laquelle il peut y avoir beaucoup de sinistres ou c'est des primes qui coûtent cher, on assure en conséquence. Soit t'assures en tout risque, soit t'assures en tiers. Si t'assures au tiers et que c'est toi qui es responsable de ton sinistre, bah tu payes. Arrivé un moment, on ne peut pas toujours reporter la faute sur l'autre, sur la faute du gars en fait, qui t'a vendu le contrat en disant « ouais, c'est un loser, il ne m'a pas fait les propositions ». Je suis désolée, on a aussi tendance à toujours dire et à toujours penser que c'est de la faute de l'autre. Non, c'est pas que la faute de l'autre, c'est pas la faute de l'assureur, c'est pas la faute du banquier. Il faut prendre un peu sa responsabilité. Donc, et après, il y a les légendes urbaines comme quoi les assureurs veulent rien payer. Mais c'est pas vrai. Enfin, quand tu vois qu'il y a plein de zones de catastrophes naturelles dans des endroits, les assureurs, ils payent. Ils payent, c'est reconstruit, les gens récupèrent. Alors ça peut être long, ça peut. Mais en fait, en France, on parle que du négatif. On parle pas du truc positif. Quand l'assureur il a payé en temps et en heure, t'es content, ta bagnole elle est réparée. Moi, ça m'est arrivé aussi il y a pas longtemps. J'ai crashé ma bagnole, ils me l'ont réparée, je suis reparti avec, elle était comme neuve. Enfin, il y a aussi des choses qui vont bien. Il n'y a pas que des choses qui vont mal. Il y a Alfred sur le chat qui dit. Et ça va faire plaisir à Lucas. Il dit c'est que des faux culs ce soir à part Lucas. Viens discuter avec nous, Alfred, et puis on verra si on est que des cons faux culs en fait. Mais c'est... Bah oui, vous distinguez pas des dealers de... Mais au moins, Lucas, tu montres ta tête et puis tu assumes tes propos. Après, un gars qui dit « ouais, c'est que des faux culs » et qui vient pas parler et qui vient pas défendre son avis, voilà quoi. Ah, mais il a dit que... Moi, je pense que c'est un mec bien.
Mais ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que même si c'est un mec bien, si jamais tu craches ta vieille saloperie, t'auras que dalle, t'auras zéro. Je voulais dire, parce qu'après, c'est ça la réalité. Hein. C'est bien d'avoir des potes dans les conversations qui disent « Ouais, c'est toi qui as raison » et tout ça. Mais bon, c'est quand même toi qui vas te retrouver. Tu vas être obligé de t'acheter une bagnole, quoi. Tu vas être obligé de... Mais c'est ce qui va se passer. Si genre elle pète, sans foirer d'assurance, mais je la paye, je suis obligé. Sinon, je mais t'es assuré au tiers. Mais t'es assuré au tiers. Elle a 300 000 bornes, je vais pas assurer en tout risque. Bon, ben voilà. Toujours aller à l'arrêt de bus, attendre le bus, hein, Lucas, il n'y a pas de problème. Hein. Attends, de quoi ? J'ai pas entendu. Tu pourras toujours aller à l'abri de bus, attendre le bus aussi, il hein. N'y a pas de problème. Ah ouais, Lucas. Tu les as fait enlever, les abribus. Ah ouais, c'est fait, merde. Il va attraper la crève et ça lui permettra de pas aller au boulot. Mais ça, tout ça, c'est sur le compte d'Aurélie, qui va faire monter le taux d'absentéisme dans les entreprises en retirant, puisqu'elle a fait retirer les abribus en disant que comme ça, il n'y aurait pas de publicité. Ouais. Donc justement, on n'a pas réglé cette partie-là. C'est-à-dire, comment... Ah si, moi j'ai une idée pour réduire le taux de publicité qu'on vit. Ce sont des écrans que tu ne peux voir que si tu as accepté. Tu sais, c'est un peu comme la pub dans les boîtes aux lettres. Là. Si tu as accepté de voir ces pubs, donc là, tu as un dispositif, des lunettes par exemple, qui te permettent de voir... Les publicités quand tu te balades, alors je sais pas, le ticket de bus est un peu moins cher, donc c'est-à-dire que les pauvres sont obligés de porter les lunettes, hein. Tu peux... Il va les payer les lunettes. Ouais, mais c'est le système qui va payer les lunettes. On sait très bien, parce qu'on a... cette semaine, aujourd'hui est sortie une enquête qui démontre qu'en France, ce qui a fait reculer la pauvreté sont les aides. Donc voilà, on va faire une aide supplémentaire pour les gens qui ont pas de pognon pour qu'ils aient des lunettes, pour qu'ils puissent voir la pub. Et en voyant la pub, ça leur permettra d'avoir un ticket de transport moins cher. Et ceux qui ont un peu de pognon ne verront pas la pub. Tu ne porteras pas les lunettes spéciales. Donc tu ne verras pas la pub quand tu te balades dans la rue. C'est pas mal comme plan. C'est pas à Grenoble où t'as pas de pub. T'auras une bagnole bien assurée, donc en fait on n'aura rien à foutre de porter ou pas des lunettes, quoi. Non, parce que l'idée, c'est que ces lunettes te permettent de voir la publicité. Si tu n'as pas ces lunettes, tu ne vois pas la publicité. Tu vois le truc ou pas ? Ouais, je vois le truc, mais en fait, aujourd'hui, tu subis la pub. Peu importe ce que tu regardes. Par exemple, tu vas acheter un magazine, tu vas aller regarder un site internet, tu as les bandeaux publicitaires qui défilent. Horrible. Aujourd'hui, tu es dans une pollution visuelle publicitaire, c'est-à-dire que peu importe où tu poses les yeux, tu subis tout ça. Tu n'as aucun choix, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne veux pas, même si tu mets un petit ticket sur ta boîte aux lettres. On te met de la pub. Les gens n'ont rien à foutre, en fait. Ils se disent, dans le tas, t'en as toujours un qui va aller regarder, t'en as toujours un qui va consommer. Ça va donner une envie à quelqu'un, ça va donner l'envie d'aller acheter, l'envie de consommer. Donc, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils te polluent comme ça toute la journée, que ce soit voulu ou pas voulu, parce que d'une manière voulue, t'as pas envie de te foutre même derrière ta télé et regarder des pubs sans cesse. Enfin, quand tu vois tous les gens qui sont abonnés à Netflix... ou à autre chose, les gens, ils vomissent aujourd'hui la pub, sauf que tu le subis. Et que tu aies des lunettes ou que tu n'aies pas des lunettes, ils vont aller trouver une autre façon pour pouvoir leur vendre leur cam. Et après, ils vont trouver... En fait, je pense que le cerveau humain est suffisamment bien fait pour trouver une solution pour te mettre de la pub, même si tu ne le veux pas, quoi. Non, il faut... je pense qu'il faut... il faut donc arrêter, pour stopper le harcèlement publicitaire, on a les moyens de trouver des dispositifs, il faut trouver des dispositifs. Donc moi j'ai proposé mes lunettes, apparemment ça te plaît pas, mais on peut trouver autre chose. Un truc qui te permet... Moi j'ai une proposition, une proposition pour enlever la pub, c'est-à-dire qu'on ferait des pubs vraiment, vraiment drôles, qui ferait qu'en fait, tu vois par exemple, on regarderait des vidéos sur internet, on regarderait des pubs marrantes, tu vois. Donc on se carmerait la pub, mais on aura envie de se la prendre. Ouais, mais marrant, c'est relatif. Hein. Moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'humour, donc tu vois, marrant, je suis pas sûr de rigoler tous les jours. Hein.
Avec moi, tu vas vite te retrouver au tribunal. Hein. C'est vrai que t'es un peu quand même. Hein. Ah, bah, je suis comme ça. Mais je m'assume, ça va bien. Hein. La moindre petite blague, un petit peu, on fait une petite sortie de route, ça y est, quoi. C'est... Ah, bah oui, avec moi, t'es tout de suite mal jugé. Je deviens assez rapidement désagréable, mais bon, écoute, on est comme on est. Parler de la pub là, pour les abribus. J'ai essayé de me faire opérer, mais ça n'a pas marché. Oui, monsieur Kader, on vous entend pas. Vous parliez de la pub dans les abribus, sur les abribus ou quoi? Pas seulement. Qu'est-ce qui t'arrive, Kader? T'as bu qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus de quoi on parle. Ah, parce qu'il faut peut-être que tu ailles consulter un docteur demain, parce que 45 ans, normalement, c'est pas ce moment-là qu'on commence à se dire « je ne sais pas comment vous appelez ». Non, je pensais, tu vois, par exemple, maintenant, il y a une nouvelle technologie, je veux dire, la pub, tu n'es plus obligé de l'avoir, c'est plus nécessairement des panneaux et des trucs comme ça, donc on a tous un outil, la plupart des gens ont un outil informatique, un outil technologique dans la poche. Donc après, si le mec il veut recevoir une pub, il accepte. Donc on t'envoie un signal, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, tel constructeur veut vendre son produit, il a fait une pub dans telle rue, rue du Général de Gaulle, par exemple, ding, tu passes à ce moment-là, à tel endroit, tu reçois un signal, tu vois, par exemple, tu reçois un signal, t'as une pub. Tu vois ce que je veux dire, que la pub puisse être gérée par le consommateur, enfin, c'est-à-dire que tu choisis d'être harcelé ou pas, jusqu'à l'écœurement, voilà. Quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal, alors, ça. Par exemple. Ouais, c'est rigolo. C'est une idée. Bon, on va bientôt se casser, vous savez, c'est vendredi. On a décidé cette année qu'on allait essayer de pas trop exagérer sur les dépassements horaires pour que les gens qui travaillent à Maurice Radio Libre ne deviennent pas trop riches. On essaie de les maintenir dans une sorte de pauvreté parce que ça nous permet de les tenir, quoi, de les forcer à venir travailler certains jours fériés, etc., pour qu'ils puissent gagner du pognon. Alors si jamais ils en gagnent trop, après ils disent non, moi jour férié je travaille pas, j'ai pas besoin. Ils te disent je vais à un truc là sur le bord de mer, moi je pars en Angleterre avec Ryanair, enfin, tu vois, des trucs insupportables, quoi, alors qu'on a besoin d'eux pour travailler. Si on leur donne pas trop d'heures supplémentaires, ils sont ric-rac, salaire en fin de mois. Et quand on leur demande un service, on leur dit voilà, là, c'est un jour férié, mais on a besoin que vous soyez là. Tac, les mecs, ils viennent bosser parce qu'ils ont besoin de fric. Vous voyez la gestion du personnel ou pas? Les ressources humaines? À Maurice Radio Libre, c'est pas facile. Hein. Mais. C'est des sacrés managers. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est des sacrés managers. Ouais, on est carrés, nous, hein. Si on pouvait, on leur mettrait des tartes de temps en temps. Mais ça, on nous a expliqué dans le 10e là-bas qu'il fallait pas le faire. Donc on fait plus. Alors, on a essayé aussi de, tu sais, fermer la porte et les empêcher de sortir. Pour lutter contre le tabagisme, par exemple. Clac ! Tu fermes la porte et tu les empêches de sortir. Donc le mec, il arrive au bureau, ils arrivent pas super tôt, hein. Ils arrivent au bureau à 9h30, 10h. Et ils sont bloqués dans le local de travail jusqu'à 3h du matin. Il y a tout ce qu'il faut, on peut faire pipi, on peut boire, bon. Voilà, mais on peut pas fumer. Donc ça. Non, c'est des tortionnaires quand même. Bah parce que le problème du fumeur, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Sur une journée de 8 heures, le fumeur, il disparaît pendant 4 heures si tu le laisses faire pour fumer. Ah ouais, et puis la sécu, la maladie, enfin, voilà. T'as trucs de merde. Les prêts, les assurances. Et les odeurs. Les odeurs. Parce qu'en plus de ça, les fumeurs, ça fouette, hein. Ils puent, ouais. Donc si tu les empêches de sortir du lieu de travail, ils sont beaucoup plus efficaces. Beaucoup plus concentrés, parce qu'autrement, s'ils sortent, toutes les 20 minutes, ils sortent. Alors, ils sortent toutes les 20 minutes, ils sortent 10 minutes, mais si tu regardes sur une heure, il y a quand même 30 minutes pendant lesquelles ils travaillent pas. Tu vois, ils travaillent que 30 minutes par heure. donc voilà. On essaie de trouver des moyens pour les empêcher de sortir. Des moyens légaux, quoi. Tu sais, je crois qu'il y a des prisons à vendre en ce moment sur le net. J'adorerais, moi. J'adorerais. Mais le bateau, c'est bien parce que en plus, on peut travailler au milieu de la Seine. Parce que quand tu travailles au milieu de la Seine, tu travailles à l'ancre.
les gens ne peuvent pas descendre de, du lieu de travail. Eh, il fait le malin, mais ça se trouve les employés, des fois les employés qui disent oh moi je viens pas là ce matin là, tu m'emmerdes et tout, et il raccroche le téléphone. Et il dit bon ben tu viendras demain matin quand même s'il te plaît. Non, en général ceux qui ne viennent pas le lendemain matin parce qu'ils ont un problème, en général ils sont obligés de se trouver un autre travail après. Ouais. C'est comme dans les discothèques, toute sortie est définitive. Ah ouais. Donc voilà. Ah, les mecs sont tendus un peu, il y a la pression au bureau. Enfin, ah, au bureau. Ça faut taper. Tu sais, on écoute le nombre de coups de marteau dans la journée. Hein. Si jamais il y en a qui tapent pas assez régulièrement, au bout d'un moment, le mec, on lui fait un accident du travail, il tombe à l'eau. Hein. Non, t'es pas comme ça, Maurice. Non, crois. Pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, on va se casser. On va écouter les conclusions. On va écouter la conclusion de Kader de Troyes, je vous prie. Bah écoute, je suis content cette semaine. Il y a un de tes homonymes qui a eu gain de cause, c'est-à-dire Maurice. Maurice Lecoq de... c'est l'île de Ré ou l'île de Ré. Il est très beau. Très beau en plus, ce coq. C'est un beau coq, Maurice. Alors, qui a gagné face à la stupidité des gens, des néo-ruraux qui viennent s'installer à la campagne, non pas pour être au calme, mais pour que tout autour d'eux, ça soit silencieux. Et je suis content que... Et d'ailleurs, il va peut-être passer même, ils vont peut-être le mettre au patrimoine de l'UNESCO, les cris, alors ça craint quand même. Mais ça en dit long sur ce qui se passe actuellement, c'est tous ces nouveaux ruraux, du moins, qui viennent s'installer en province et puis qui veulent imposer une dictature encore une fois. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. Je te souhaite un bon week-end et je suis content d'avoir regardé cette vidéo sur Madagascar. Et très sincèrement, après tout ce que tu viens de dire sur tes employés, je trouve que c'est assez vache de parler comme ça pendant que toi, tu t'amuses à faire du bateau, de la plongée, manger des homards et compagnie. Tu vois, ça, je trouve ça... Des cigales de mer plutôt en ce moment même. Mais bon week-end à toi, Maurice. Bonne nuit à toi, merci d'être venu, bon week-end. La conclusion de Lucas Saint-Chamon. On n'entend pas, Lucas, faut allumer le micro. Faut allumer le micro. Heureusement que t'as mis la caméra. Allumez le micro, il est éteint. Le micro est éteint. On ne t'entend pas parler. M'entendez mieux ? Voilà, là on t'entend pas mieux, on t'entend. Alors tout à l'heure on t'entendait pas. Ah, on m'entend. Ouais. D'accord. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, les deux, vous mettez en mode winner. Lundi, vous appelez l'hospice et vous. Pas de tarif préférentiel, hein. Vous me les saignez tous. Non, je vous souhaite une bonne soirée et puis n'oubliez pas que dans notre société, le salarié est le roi. Ouais. Alors, Kendra, bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et la conclusion d'Aurélie à Léquin, à Séquin, pardon. Aurélie, tu me reçois, ding ding, le nord de la France. Ouais, je t'entends dans le nord de la France. Bah, écoute, c'était une première pour moi, hein. Je t'écoutais pour la première fois cette nuit, enfin ce soir. C'était enrichissant, c'était divertissant. De pouvoir confronter ses opinions avec d'autres personnes, d'autres horizons. Et puis, je vais rassurer tout de suite Lucas. Moi, les mamies à cheveux bleus, je leur fous la paix. Et puis, il y a bien d'autres petits jeunes de moins de la trentaine à qui je peux aller fourguer plein de trucs. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ok, non, allez, bonne nuit à toi. Bon week-end. Merci d'être venu. La conclusion de Thibaut à Orléans. Je pense que dès que j'entendrai le mot banque prononcé dans une discussion, je prendrai mon téléphone et je surgirai dans l'ombre pour venir défendre ce métier. Bah, je te remercie, je te souhaite un bon week-end et profite. Alors, Kendral, et bon week-end aussi à toi. Merci d'être venu. Et bon, il y a quelqu'un donc pour défendre la banque dans cette émission désormais, un représentant. Bon, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je vais te laisser avec un truc très joli. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec la vidéo, là ? On ne voit plus ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la vidéo, là ? Attendez.
Bon, écoutez, bon, c'est comme ça. Je sais pas, ça a merdé, on dirait que ça a coupé sur YouTube. C'est pas de ma faute, hein. Peut-être parce qu'on a trop parlé de la banque. Bon, c'était bien de passer cette semaine avec toi. On va repartir sur une semaine formidable à partir de lundi. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de Maurice Radio Libre. Va te... comment ça s'appelle, t'abonner, va, je sais pas quoi, mettre des pouces bleus, vas-y, envoie la purée. Et pendant que tu seras là, sors ta carte bleue et dépense du pognon dans la boutique de Maurice Radio Libre pour faire marcher notre bazar et pour que l'émission soit de mieux en mieux. On va essayer de bosser un peu l'image, je sais pas quoi, les trucs à te montrer. Donc voilà, il faut du fricos. Bon, je te laisse avec un truc qui est... Bon, c'est une des valeurs sûres de cette émission. Le mec est formidable et il joue très bien.